And so, welcome to everybody. I know... Bienvenue à tous. Je savais que certaines personnes qui avaient annoncé leur participation ne peuvent pas être ici à l'heure parce qu'il est difficile d'arriver ici tôt le matin. Mais notre collègue Maria Joao Rodriguez est en route. Elle va nous rejoindre d'ici quelques minutes. Nous avons décidé de débuter nos travaux puisque nous avons un programme bien chargé avec tout un ensemble de panélistes. Il y a 2 panels ce matin. Nous voulons également donner la parole aux personnes dans la salle pour avoir cet échange, un véritable échange, une série de questions-réponses. Nous avons la chance d'avoir l'interprétation. La présidente a la gentillesse de remercier les interprètes. Nous avons l'anglais, l'italien, le français... et beaucoup d'autres langues. Ah voilà, hier j'étais ailleurs dans une autre réunion organisée sur la pauvreté et il y avait moins de langues. C'est pour cela qu'aujourd'hui je me trompe un peu, mais non, aujourd'hui il y a beaucoup plus de langues. Je profite de cette occasion qui m'est offerte et je vais poursuivre en italien parce que c'est ma langue maternelle. Et puis, je le fais en l'honneur de la diversité culturelle. Puis, ce sera également mieux pour vous. Ainsi, je pourrai mieux m'exprimer. Je vais donc maintenant passer à l'italien. Vous pouvez mettre vos écouteurs pour écouter l'interprétation. English is two. Le canal anglais, c'est le numéro 2. Le français, 3. Italien, 4. Allemand, 1. En tout cas, vous pouvez regarder autour de vous et voir le numéro de votre cabine s'afficher au-dessus de celle-ci. Allora, prima di tutto, grazie a tutti. Avant tout, merci beaucoup. Merci à tous nos orateurs d'être venus ici aujourd'hui. Je tiens à remercier tous les collègues qui sont là, notamment Madame Julie Ward et Momchil Nekov, ainsi que Monsieur Morgano de la Commission de la Culture. Il s'agit de collègues du groupe SCD. Comme vous le savez, c'est un séminaire qui est organisé par la commission en charge de l'éducation, des jeunes, des médias et de la citoyenneté. Le titre de cette réunion est ambitieux, Éducation, culture et solidarité, citoyenneté, revoir l'Europe sur cette base. Pourquoi avons-nous retenu cet intitulé? Eh bien, parce que ces dernières années, nous avons été guidés par un principe avec la Commission, que je remercie d'ailleurs de sa présence. Nous avons travaillé avec la DGEAC. Ce n'a pas toujours été le cas par le passé, mais notre vision est la suivante. Nous pensons que si nous voulons avoir un projet européen de développement durable, si nous voulons avoir une citoyenneté européenne renforcée, rien ne pourra se faire si nous n'investissons pas dans la culture. Il faut investir dans l'être humain, sur le plan financier, sur le plan politique, sur le plan culturel, en mettant en avant la valeur de solidarité. Nous devons avoir des citoyens et une citoyenneté active, une citoyenneté globale, ça c'est un autre thème, et il faut tout faire pour que les gens aient un sentiment d'appartenance en cette période difficile pour l'Europe. Il faut jeter les bases pour une nouvelle société novatrice, inclusive. Nous devons le faire main dans la main. Nous voulons œuvrer pour le développement durable. Nous pensons que la culture et l'éducation sont l'un des piliers du développement durable. Sans l'accès à la connaissance et à l'éducation, sans cette chance de pouvoir parler librement, de s'exprimer sur le plan culturel, sans la connaissance et les compétences, et sans cette connaissance du patrimoine culturel, qu'il soit tangible ou intangible, ceci ne pourra pas se concrétiser. Alors, cela pourrait durer un peu dans le temps, mais ce qu'il nous faut, c'est vraiment une génération pour qui ceci est appelé à se poursuivre. Il y a des exemples en Europe, et je serai franche, il y a même dans nos pays une situation assez délicate. Nous devons réagir. Autre défi, il faut renforcer la valeur intrinsèque de la culture. Il ne faut pas juste
investir dans la culture pour qu'elle soit source d'emploi, il faut être de plus en plus conscient de ce que cela représente, la liberté de l'individu, le développement humain, le développement personnel. Cela donne une chance aux personnes de se développer dans leur vie, de s'intéresser aux vies, à la vie de leur communauté, de développer des compétences analytiques. Et nous savons combien il y a aujourd'hui de fake news qui circulent. Et je crois qu'en tant que groupe, nous avons tenté de travailler dans cette direction. Bon, je m'en tiendrai à cette introduction plutôt brève, mais je crois qu'il est important de faire le bilan. Le Parlement est chargé de faire ce bilan, mais en coopération avec la Commission, et reconnaissons-le. Mais je voulais ajouter que, bien entendu, il sera question des programmes. D'ailleurs, quatre programmes importants nous occupent. En tant que commission culture, notamment celui de l'Erasmus, avons demandé de tripler les fonds. Le nouveau programme, appelé Citoyen, le programme Europe créative, dont je suis rapporteur, ainsi que le programme sur le corps européen de solidarité, en tant qu'institution autonome. Nous partons du principe que ces programmes dépendent du cadre politique. Et aujourd'hui, il doit être question de politique européenne pour le patrimoine culturel, pour la culture, pour l'éducation, pour la souveraineté, pour la citoyenneté, pour les prochaines générations. Ces programmes doivent être intégrés dans une vision de construction politique qui soit plus novatrice, plus audacieuse et davantage tournée vers l'avenir. Bientôt arrivent les élections européennes, la fin de la législature. Le nouveau CFP et nous luttons pour une meilleure attribution des fonds. Je vous ai parlé du triplement des ressources attribuées à Erasmus+, et nous ne manquerons pas également de faire la promotion des travaux que nous avons engagés pour le patrimoine culturel. Nous en avons parlé précédemment, notamment avec Luigi. Il convient de s'interroger. Quels sont les défis à moyen, court et long terme, et quelles sont les priorités que nous devons déterminer pour ces prochaines années? Pas simplement pour la période immédiate, la période qui nous concerne actuellement. C'est la raison pour laquelle nous avons consulté d'éminents experts et hauts représentants qui sont aujourd'hui représentés ici, mais nous avons également parmi nous deux représentants de la Bulgarie, par ailleurs ministres en matière de politique économique et éducative de Bulgarie, Ania Kesarova, que je remercie d'ailleurs, et dans le panel culture, nous avons également un représentant de l'Italie, responsable de la culture au Parlement italien, Monsieur Roberto Rampi. En tant que force politique nationale, nous devons nous fixer un horizon européen dans nos politiques nationales. Et je crois que les politiques nationales ne sont pas suffisamment orientées sur ces nouveaux horizons. Or, si nous ne commençons pas à parler européen, nous serons confrontés à des difficultés. Nous connaissons le programme. Nous connaissons les défis. Et sans cette dimension européenne, il n'y aura ni compétitivité, ni souveraineté, ni développement durable. Permettez-moi de rappeler également l'intervention du Parlement, du sommet de Göteborg. La dimension de culture a été particulièrement présente dans le programme de ce sommet. Ce n'était pas le cas au début. Comme si il était possible d'évoquer le socle européen des droits sociaux sans parler de l'éducation. Nous mettons l'accent sur l'apprentissage tout au long de la vie. Les systèmes éducatifs doivent être améliorés en conséquence. Mais l'inclusion sociale ne doit pas être laissée pour compte. L'apprentissage permanent doit être au centre de nos priorités, notamment chez les adultes, groupes dont les carences sont évidentes.
Nous avons consacré un an au patrimoine matériel et immatériel européen. L'identité culturelle et la diversité culturelle sont deux réalités intimement liées et en aucun cas paradoxales. Nous voulons une meilleure transversalité dans l'appréhension du patrimoine culturel et j'en veux pour preuve la présence de Luigi Morgano. Il s'agit là d'un moteur économique, d'un moteur de création d'emplois. La mobilité des artistes est ardemment désirée et attendue en Europe. D'ailleurs, cela fera l'objet d'un rapport dont je suis rédacteur. La semaine prochaine, un règlement sera approuvé sur l'importation des biens culturels issus de pays en conflit. Nous l'avons appelé de nos voeux. Et l'UNESCO également. Et ce, depuis la destruction intentionnelle de Palmyre. Et je ne cite que le Palmyre, parce que le patrimoine culturel et religieux de tous les pays de la rive sud de la Méditerranée a été détruit. Et même si cette appellation n'est pas encore officielle, mais il s'agit d'un crime contre l'humanité. Nous avons relancé le volontariat en Europe, et d'ailleurs, nous travaillons sur la stratégie du corps européen de solidarité. D'ailleurs, un projet pilote a été lancé de manière symbolique. Dans le cadre de ce projet, de jeunes Européens ont aidé les populations qui ont été mises à mal par le séisme. L'université européenne, les corridors éducatifs, corridors humanitaires pour les réfugiés, tout cela fait partie de notre démarche. Nous avons renforcé les ressources pour les bourses d'études et pour l'éducation dans le contexte humanitaire européen, à notre initiative. L'aspect central de la modernisation des systèmes scolaires, l'inclusion sociale, l'aide aux populations les moins favorisées et l'accompagnement des migrants dans le contexte éducatif. En commission jury, d'ailleurs, des efforts ont été engagés également. Sans oublier la dimension artistique. Le patrimoine culturel constitue un vecteur de dialogue intercommunautaire, même si ce dialogue est difficile. C'est sur les champs de bataille de la guerre que s'est construite l'identité européenne entre les peuples qui se faisaient la guerre par le passé. Nous l'avons dit, les compétences formelles, non formelles et informelles doivent être reconnues dans les programmes. Et aujourd'hui, nous parlons de l'Europass. Et d'ailleurs, nous sommes montés au créneau pour défendre l'Europass. Par ailleurs, la e-carte européenne pour les étudiants, nous partons du principe qu'il s'agit là d'une reconnaissance du statut d'étudiant en Europe pour les étudiants Erasmus et non Erasmus, mais c'est un moyen également d'accéder à des services, prestations, en rappelant le droit à l'étude, les services relatifs au droit à l'étude, parce que les bourses Erasmus ne sont pas toujours suffisantes. En outre, il faut être à l'écoute des universités. Les universités ont lancé le sommet des universités européennes à Udine. Les universités doivent s'intégrer dans cette démarche européenne également. Je crois que nous pouvons engager ce type d'action à une seule condition, se concentrer sur tous les aspects. La priorité est de comprendre les écueils auxquels nous sommes confrontés. Permettez-moi ces quelques considérations. Il convient également de comprendre comment le numérique peut renforcer l'éducation de manière à non pas pratiquer le numérique pour le plaisir, mais pour renforcer l'intérêt de l'éducation. C'est un défi. Par ailleurs, les nouvelles limites de la recherche également, le patrimoine culturel. Et d'ailleurs, je remercie Luigi qui a été rapporteur du rapport sur Horizon, qui est un aspect méconnu du plus grand nombre.
ainsi que toutes les politiques de cohésion, de recherche, Digital Europe, InvestUE. Cette dimension européenne, éducative et culturelle, doit être transversale. Au niveau national et au niveau européen, il faut qu'il y ait cette conviction. Sans mobiliser de ressources, sans investir pour la formation des professeurs, pour l'amélioration de l'infrastructure de l'éducation et de l'instruction, nous n'irons nulle part. Le pacte de stabilité doit garder cette ligne budgétaire d'investissement pour la culture et l'éducation. Par ailleurs, il convient de renforcer les programmes. C'est une condition sine qua non à l'amélioration de cette situation. Enfin, je conclus. Et je céderai la parole aux différents intervenants. Nous avons parlé de cette aspiration qui désormais est consignée dans la communication de l'Union européenne, à savoir la création d'un espace européen de l'éducation, qui comprend les universités également. Que pouvons-nous en dire de manière très brève? Eh bien, depuis 1992, depuis Maastricht, il existe une politique européenne de l'éducation. À l'époque, j'étais secrétaire dans une université de mon pays. Et à cette époque, j'ai participé à une réunion de tous les ministres européens de l'éducation. C'était une réunion sans pareil. Et j'ai connu le responsable Roberti en Italie, qui a été à l'origine de cette initiative. Et nous avons pu faire converger les systèmes éducatifs. À cela s'ajoute la mobilité, l'étalonnage, les normes de qualité, l'évaluation commune. Donc, nous avons une stratégie commune, mais il faut garder à l'esprit la subsidiarité, bien entendu. Mais je crois que néanmoins, il faudra en faire davantage pour avoir un réel espace européen de l'éducation, reconnaissance des titres, des compétences, des programmes, plus de mobilité, davantage de diplômes conjoints. La semaine prochaine, à Strasbourg, nous en reparlerons. Nous avons réagi à cette communication importante de la Commission sur la reconnaissance automatique des titres d'études, diplômes obtenus à l'étranger. Et cela relevait de la gageure. C'est une accélération dont nous nous félicitons de ce processus qui, au demeurant, était trop long. L'objectif est d'accélérer la manœuvre. De manière à ce que ce grand pari de l'éducation européenne soit couronné de succès. Voilà, j'ai pris quelques minutes en plus pour ces propos liminaires. Maria Joa Rodriguez n'étant pas encore là, donc j'ai pu faire seule cette introduction. Petra Kammerevert de la Commission Culture est retenue à Berlin, ne sera pas de la partie et s'en excuse. Félicitations à la collègue Libatchka, rapporteur fictif pour Erasmus, qui pour des raisons liées à sa famille ne pourra être parmi nous. Je remercie le conseiller politique également. Voilà, je cède maintenant la parole au modérateur, mais qui n'est en rien modéré, hein, qui est une vraie source d'inspiration. Il s'appelle Marco et il ne manque pas d'expérience. Ça fait 5 ans que tu travailles avec nous, que tu es modérateur. Et Marco dirigera les échanges dans le cadre de ce premier groupe d'experts. Je cède la parole, Marco. Good morning from my side and thank you, Sylvia, for... Bonjour. Merci, Sylvie, pour ces propos liminaires courtois, en italien aussi. Nous avons cette audition lorsque nous procédons à cet événement concernant notre stratégie sur l'espace européen pour l'éducation et la solidarité avec Erasmus, avec les nouvelles tendances et à la budgétisation concernant la culture. Et comme l'a indiqué Sylvia,
En tant que modérateur, je souhaiterais évoquer certains éléments de nature pratique. Est-ce que vous avez une connexion Internet? Si tel est le cas, eh bien, vous pouvez voir quels sont les documents qui sont dans la salle. Si vous n'avez pas, par exemple, la 3G, vous pouvez vous connecter sur ce site. Donc, les coordonnées sont là. Puis, vous avez les cartes de vote. Nous allons avoir une approche ludique aujourd'hui. Bien évidemment, c'est le Parlement européen, mais nous allons donner le droit de vote à tout un chacun présent dans la salle. Donc, voilà. Si vous pensez que quelque chose est... que vous souhaitez voter en faveur, c'est le vert, comme les feux du code de la route. Nous avons... l'orange pour le non, et pour le jaune, eh bien, c'est le doute. Après chaque intervention, on pourra peut-être vérifier si vous avez apprécié les présentations, et j'espère que les panélistes sont prêts à faire face à cette évaluation. Nous allons voir quelle est la température dans la salle en fonction des questions qui sont traitées. Et la question constitue parfois un piège. Mais je vais vous les présenter dans un bref moment. Deuxième élément. Troisième élément. Vous avez vos téléphones mobiles. Bien. Je souhaiterais vous présenter un autre élément de cette session. Vous avez vos téléphones. Eh bien, vous voyez sur ce transparent, vous allez sur l'adresse qui figure www.mentin.com et utilisez le code qui figure sur ce transparent. Et vous avez la possibilité de... naviguer sur ce site. Tout le monde est connecté? Nous avons besoin de nombreuses compétences, notamment des compétences numériques. Oui, oui. Nous votons au Parlement déjà. Voilà, une personne. Voilà, c'est... Peut-être que quelqu'un est de bonne humeur. Nous avons une personne qui a sommeil également. Mais avec ce jeu... Ce qui est bien, c'est que nous ne savons pas qui vote. Nous n'avons pas le nom, donc n'ayez crainte, votez comme vous le souhaitez. 26 personnes ont... Je pense qu'il est important de constater que nous avons des représentants de tout ce qui a été évoqué. Plusieurs parties prenantes sont représentées. Et voilà la dernière question. Quelles sont vos attentes ? Concernant cette conférence, donc les informations concernant les nouveaux programmes, militer pour mon organisation, le réseau, etc., ou autre chose. Bien, il y a également une autre chose, pour une autre raison. Lorsque vous allez intervenir... Dans le cadre du débat, vous pourrez peut-être faire référence à ces autres éléments parce que je pense que ce sera une information utile pour toutes les personnes ici présentes. Que pensez-vous des différentes questions? Ce sera la question qui sera posée. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons de répondre par le biais de votre GSM. Puis... Dernier point, cette réunion est retransmise en direct, donc ce qui est important, c'est d'intervenir en ayant branché votre micro, puis voilà le tweet que vous pouvez utiliser pour communiquer, puis vous avez tous les services d'interprétation qui sont disponibles. Voilà, nous avons déjà expliqué. Bon, vous partez. Vous vous êtes trompé de salle? They changed the meeting. You should stay here, it's very make a mistake for the meeting. Good. Yes. Yeah, exactly. Okay, so bien.
Voilà les deux panels. Ils figurent également sur le programme. Mais avant de passer au débat concernant ce panel, je souhaiterais utiliser vos bulletins de vote. Première question. L'éducation est la meilleure manière de préparer les jeunes à la vie. Qu'en pensez-vous? Bien, une majorité de verts. Moi, ce sera le doute. Bien. Vous aurez la possibilité de modifier votre point de vue en vous fondant sur les arguments avancés par les orateurs. Sylvia, vous avez la parole pour présenter nos orateurs. Eh bien, j'espère que le résultat favorable sera le même à la fin de cette conférence. Merci. Merci, Marco. Bien, je vais donner la parole au premier intervenant et je souhaiterais les remercier d'être présents. Il s'agit de Sacha Garben, professeure permanente au département de droit du Collège de l'Europe à Bruges. Vous avez étudié à Florence, à la University European Institute. Je vous remercie de votre présence. Merci beaucoup. I would like to make... Trois remarques, trois grands éléments sur les actions à venir de l'Union européenne dans le domaine de l'éducation. Et en fait, ça me fait penser à ces feux de circulation. Tout d'abord, un carton rouge ou un feu rouge, bon, même si le papier est orange, quelque chose qu'il faut arrêter de faire. Il s'agit de la gouvernance économique du semestre européen. Ou, comme certains d'entre vous le savent peut-être, l'Union européenne fait des recommandations par pays qui ne sont pas contraignantes sur le plan juridique. Et ceci se fait dans un cadre assez coercitif avec des sanctions financières qui peuvent être adoptées. Et l'éducation est incluse dans le semestre européen. Ce n'est pas considéré comme étant une valeur en soi, mais plutôt comme un facteur de croissance économique et de compétitivité. Par conséquent, les recommandations par pays suivent de près les politiques nationales d'éducation et voient quel est leur rapport coût-efficacité et quelle est l'employabilité à la clé, c'est-à-dire dans quelle mesure ces programmes répondent aux besoins et aux souhaits des entreprises. Par conséquent, on encourage les États membres à travailler avec les entreprises dans la mise au point des programmes et de prévoir des financements publics pour des mécanismes compétitifs de marché. Bien évidemment, tout ceci représente une vision néolibérale du rôle de l'éducation dans la société et je ne suis absolument pas d'accord avec cette vision. Et en tant qu'universitaire, je ne suis pas d'accord non plus avec la façon dont ces décisions éminemment politiques sont prises dans un cadre très peu transparent, un cadre opaque qui exclut le Parlement européen ainsi que les parlements nationaux qui n'ont pas la possibilité d'apporter leur pierre à l'édifice. Voilà ce que je souhaite que l'Union européenne cesse de faire. Ensuite, il y a ce que moi j'appellerais un feu orange, mais on dira un feu jaune ici dans ce contexte. Là, l'Union européenne devrait poursuivre ce qu'elle fait, mais avec de la prudence et de l'attention. Il s'agit de la mobilité. Bien évidemment, la mobilité des étudiants, des enseignants est un pilier de tout ce que nous faisons dans le domaine de l'éducation supérieure en Europe. Mais avant tout, je souhaite que l'Union européenne soit un peu plus protectrice lorsqu'il s'agit de la mobilité dans l'Union européenne en matière d'éducation. Ce domaine de l'éducation, l'enseignement supérieur, comme vous le savez, ce n'est pas qu'un projet européen, c'est beaucoup plus vaste. Il y a également le processus de Bologne, un processus intergouvernemental avec un très grand nombre de pays qui ne sont pas forcément membres de l'Union européenne, comme par exemple le Kazakhstan. Il est très bon d'avoir un forum international comme celui-ci pour coopérer sur les questions liées à l'éducation. Mais je pense que dans le contexte de l'Union européenne, nous pouvons être plus ambitieux
Nous pouvons avoir des besoins, des souhaits spécifiques et ainsi renforcer l'intégration dans ce domaine de l'éducation pour aller au-delà de ce groupe et de ce contexte intergouvernemental de Bologne. Ce que j'appelle de mes voeux, c'est de voir une partie de ce processus de Bologne intégrée ou réintégrée dans le cadre intérieur de l'Union européenne. Un espace européen de l'éducation très fortement ancré avec les institutions européennes et des structures juridiques. Et oui, je pense que nous avons la compétence juridique pour ce faire. L'article 165 du traité, il y a également tout ce qui concerne la reconnaissance des diplômes. Parallèlement à cela, je souhaite que l'Union européenne soit prudente. Il ne faut pas encourager ce que j'appellerais la mobilité déconnectée. Nous avons 28 systèmes d'éducation en Europe, c'est très bien, il faut vraiment se féliciter de cette diversité, mais si l'on applique des politiques de mobilité, des droits à la mobilité, à l'aveuglette, dans des contextes si différents, cela peut être source de déséquilibre, d'asymétrie, cela peut avoir un effet disruptif. 1 minute 30 encore. Si l'on crée ces asymétries, ces déséquilibres que nous avons pu voir avec l'Autriche et la Belgique, par exemple, où les cursus médicaux étaient envahis de Français et d'Allemands qui échappaient à leur numerus clausus de leur pays, ce qui a mené à des problèmes politiques et normatifs. Voilà, vous le voyez, il faut faire preuve de prudence. Je veux que l'Union européenne investisse dans la connaissance. Il faut mener des études quant à la comparabilité et les différences entre les systèmes d'enseignement, pas du point de vue d'Europe 2020, mais du point de vue de l'espace européen de l'éducation. Quelles sont les politiques dont nous avons besoin? À quoi devons-nous faire attention pour que cet espace de l'éducation puisse fonctionner? Et troisièmement, il s'agit de mon feu vert. Il s'agit d'avoir un développement plus ambitieux de l'éducation à la citoyenneté dans les écoles. L'article 165 du traité donne les compétences à l'Union européenne pour ce faire. Il y a un article qui a été publié très récemment dans la European Law Review qui explique tout ceci de façon détaillée. Il y avait 3 propositions dans cet article et je pense qu'elles méritent que l'on s'y attarde. Tout d'abord, l'extension du programme Jean Monnet aux écoles. Deuxièmement, la création d'une base de données sur l'éducation à la citoyenneté européenne. Et troisièmement, l'inclusion de compétences citoyenneté européenne dans les différents cadres de compétences, diplômes et autres au niveau européen. Voilà, j'en arrive à ma conclusion, mais je vais encore revenir sur une dernière chose. Si je pouvais avoir ce que je souhaite, je remplacerais ces 3 feux par un rond-point. Ce que je souhaiterais, c'est une révision des traités. J'aimerais qu'il y ait une véritable compétence législative pour l'Union européenne en la matière. Pourquoi ? Parce que l'éducation, comme nous le savons tous, peut être harmonisée, elle peut être intégrée de diverses façons. Toutefois, ceci doit se faire de façon indirecte parce que l'Union n'a pas de compétences directes sur de nombreuses questions qui sont liées à tout ceci. Donc cela se fait par le processus de Bologne, en parallèle de l'Union européenne, du marché intérieur. Cela se fait un peu par des portes dérobées, par le biais du semestre notamment. On rentre par la porte de la salle de bain. Je veux que l'Union européenne puisse entrer par la grande porte pour que ce soit plus légitime et plus efficace. Alors je sais que ce sont peut-être des rêves, mais nous sommes là pour ça aussi aujourd'hui. Merci. Some feedback. Yeah. Qu'en pensez-vous? This is a very good sign, but... Oui, c'est encourageant.
Merci de cette intervention. Je me réjouis de votre présence. Je me suis intéressé à votre proposition. Et je veux dire que je suis tout à fait d'accord. Il faut être ambitieux. Il faut se prévaloir du contenu des traités. La subsidiarité ne nous l'empêche pas. Renforçons l'éducation citoyenne dans tous les programmes, au niveau national également. Mais vous êtes entré dans les détails dans votre intervention et c'est une bonne chose. Je cède maintenant la parole à Tamara Gojkovic, directrice adjointe de la plateforme Apprentissage Permanent, pour quelques résultats obtenus par cette plateforme. Quelle est votre philosophie de l'éducation et le lien avec cette proposition? Merci. Je crois que mon intervention ira dans le droit fil des précédentes. Mais je voudrais revenir sur ce rond-point dont parlait la préopinante. Oui, effectivement, c'est ce que nous voulons, un rond-point. C'est-à-dire que nous voulons une approche globale en matière d'apprentissage, en faisant la part belle aux citoyens. L'apprentissage permanent, c'est-à-dire l'apprentissage de notre naissance jusqu'à notre dernier souffle. Nous apprenons tout le temps. Ce qui importe, c'est de rassembler différentes organisations qui ont une approche différente de l'éducation. Des organisations de jeunes, des instituts de formation professionnelle, supérieure, formelle, informelle, non formelle. C'est-à-dire que nous avons un panachage intéressant d'organisations qui coopèrent au titre de l'apprentissage permanent. Et c'est notre credo. Dans le cadre de toute proposition concernant l'accès à l'éducation. Ce qui importe, c'est la cohérence politique. Et d'ailleurs, je salue la proposition de la Commission. À ce sujet, nous estimons qu'il faut cesser de penser de manière isolée. Une approche globale est nécessaire. Or, chaque école, chaque université opte pour un programme presque intuitif. Nous travaillons dans des instituts d'éducation supérieure et la mentalité a un peu changé grâce à Erasmus+, mais il ne faut pas nous arrêter en si bon chemin. Mais lorsque l'on parle d'éducation, il faut également parler de la culture. Et d'ailleurs, nous saluons l'initiative STEAM. Et il vaut la peine de soutenir cette initiative parce que la culture, l'apprentissage formel, non formel et informel mérite d'être soutenu au titre de la citoyenneté active pour tous les apprenants. Et c'est là que les soft skills, comme on les appelle, doivent être promus. Il ne s'agit pas d'apprendre des compétences formelles uniquement, non, non. Et l'inclusion sociale est tout à fait opportune. Parce que nous sommes tous différents, nous avons des besoins différents et nous n'apprenons tous, pas tous de la même manière. Et tout le monde doit avoir sa chance. De nombreuses organisations et institutions coopèrent avec les citoyens issus de milieux moins tourné vers l'éducation, dirais-je. Donc nous avons cette conception de l'éducation, de la naissance à la mort. Et ce, pour tous les groupes d'âge, c'est-à-dire que nous travaillons avec de jeunes enfants, mais nous lançons des activités pour l'apprentissage à l'âge adulte également. Et les étudiants, les jeunes, doivent profiter de la mobilité, oui, mais
les travailleurs culturels, les professionnels de la culture, les éducateurs, les instituteurs, les professeurs doivent bénéficier de cette mobilité. Cette mobilité est virtuelle, mais pas uniquement. D'ailleurs, la Commission promeut l'échange virtuel en ce moment. Et ici, nous avons réellement une aubaine. Permettre à tous les travailleurs de la culture d'explorer l'Europe. En outre, tout le monde doit être impliqué. Et quand je dis tout le monde, cela implique les citoyens également, mais diverses institutions. Et évitons de penser de manière isolée. Il faut bien entendu parler avec les instituts d'éducation supérieure, mais pas exclusivement. Il faut nous rassembler et parler. Et notre plateforme propose, bien entendu, cette carte étudiante, mais pas uniquement, c'est une très bonne initiative, mais nous avons également une carte de l'apprentissage permanent à l'adresse de tous ceux qui étudient déjà, mais aux autres qui veulent étudier d'une manière différente, de manière permanente. Nous avons des centres de communauté d'apprentissage permanent dans le cadre desquels nous pouvons coopérer. Encore une fois, ces centres sont destinés aux étudiants et pas uniquement aux familles. Les jeunes peuvent inciter leurs parents à apprendre et à renforcer leurs connaissances. Enfin, les synergies. Créons des synergies. L'Union européenne est très active en matière de synergie et je suis sûr que de nombreuses idées un jour seront concrétisées. Mais il faut créer des synergies autour de ces initiatives et que toutes ces initiatives soient regroupées sous une grande initiative fêtière. Et nous y reviendrons plus tard. En fin de compte, l'apprenant, nous le défendons, mais nous défendons surtout le citoyen. Je vous remercie. Io sono presidente, per cui non. It's right. Okay, there is just one yellow. This is what good. Un seul jaune. Thank you so much. Totally, I totally agree with this. Je suis tout à fait d'accord. Il faut se départir de cette mentalité en silo. D'ailleurs, j'en parle avec mes collègues avec qui il nous arrive de débattre. Effectivement, nous sommes à l'origine de cette compartimentalisation de la pensée. Et on perd ce recul, cette globalité de la perception, cette vision transversale de l'éducation, parce que l'éducation est en silo. Nous avons la formation, l'éducation secondaire, supérieure, secondaire inférieure, secondaire supérieure, mais les partenariats sont importants entre les universités, entre les instituts de formation professionnelle. Et parfois, cette nouvelle approche peut changer la donne. Le nouveau Parlement doit garder cela à l'esprit. Et je vais maintenant céder la parole à Andrea Casamenti du Forum européen pour la jeunesse. Oui, je te cède la parole, Andrea. Bonjour à toutes et à tous, et je souhaiterais vous remercier. Je vais parler anglais, même si je suis italien, pour profiter de la diversité. Alors, quelques mots sur la plateforme de la jeunesse européenne de jeunesse. Nous représentons 50 millions de jeunes en Europe. Nous représentons les intérêts de leur organisation et nous luttons en faveur de leurs droits. Nous sommes également le mouvement de jeunesse le plus important dans le monde, ce qui est impressionnant. On parle aujourd'hui du fait de façonner une nouvelle Europe, le type d'Europe que nous appelons de nos voeux.
nous en discutons au sein du Forum européen de la jeunesse. Et l'un des éléments récurrents est le suivant. Les jeunes souhaitent que l'Europe réponde à leurs attentes en ce qui concerne la solidarité, les droits de l'homme, l'égalité. Nous souhaitons une Union européenne dans laquelle les droits de l'homme sont respectés. Par exemple, le droit à avoir un accès à une éducation qualitative, le droit de participer à des actions volontaires. Et lorsque l'on parle de l'éducation, nous ne pouvons éviter de parler des organisations de jeunes, parce qu'en effet, et parfois nous oublions cet aspect, on a tendance en effet à évoquer l'éducation formelle en Europe. Néanmoins, ces organisations de jeunesse peuvent transmettre des possibilités en matière d'éducation pour les jeunes. Je pense ne pas devoir creuser cela afin de vous l'expliquer. Les organisations de jeunes jouent un rôle prépondérant. Néanmoins, nous estimons qu'il y a une absence de reconnaissance à l'égard de ces organisations de jeunesse en tant que fournisseurs d'éducation avec un accès à l'élaboration de la politique, notamment dans le domaine de l'éducation. Et en dépit de ces recommandations par pays, nous constatons que peu est fait à l'échelon national pour ce qui est de la validation des compétences qui sont acquises par le biais de méthodes non formelles au sein des organisations de jeunesse. Et lorsque l'on parle de jeunesse, on parle également de ces activités, des programmes qui sont liés à la question de la citoyenneté et de l'éducation. La manière dont les jeunes peuvent faire des choix, se réaliser dans le cadre d'une société démocratique. Nous lançons un appel à l'Union européenne, aux États membres, afin qu'ils agissent sur certains points. Nous leur demandons d'agir afin de poursuivre les efforts en vue de procéder à des systèmes de reconnaissance dans le cadre des activités non formelles, garantir la présence des jeunes dans la prise de décision concernant les politiques en matière d'éducation, la reconnaissance des organisations de jeunesse en tant que fournisseurs de services d'éducation. Nous demandons également à l'Union européenne de renforcer le débat concernant une compréhension commune de la citoyenneté. Et nous avons également la question d'Erasmus+. Il s'agit d'un programme couronné de succès et nous demandons à la Commission européenne, au Parlement européen, à l'Union européenne de faire preuve de davantage d'ambition, bien plus, 10 fois plus d'ambition en ce qui concerne notamment les ressources financières. Puis, pour ce qui est de l'éducation, ce que nous souhaitons, c'est encourager les partenariats entre les fournisseurs d'éducation formelle et non formelle. Et je souhaiterais vous donner des exemples. Tripoli a développé un manuel destiné à utiliser des ateliers dans les écoles secondaires et afin de renforcer la participation des jeunes afin que les jeunes puissent développer leur aptitude à la gestion. Pour ce qui est du volontariat, et bien dans le cadre de notre forum, nous soutenons cette valeur. Nous pensons qu'il faut se fonder sur le travail quotidien des volontaires. C'est l'une de nos activités principales, à savoir d'offrir des possibilités de volontariat aux jeunes. Néanmoins, nous estimons qu'il y a encore des obstacles qu'il y a lieu de surmonter dans le cadre de cette participation au volontariat. On peut parler par exemple des actions de volontariat transnational. Il faut dès lors développer toutes ces possibilités. Et nous pensons que nous pouvons le faire en garantissant le droit
droits des jeunes qui se portent volontaires, en ayant un cadre, en reconnaissant également l'importance du volontariat, en garantissant l'accès à des possibilités qualitatives en matière de volontariat par le biais de différentes organisations. Et nous lançons un appel à l'Union européenne afin de créer une stratégie à l'échelon européen permettant de faciliter ces actions et afin de mettre en œuvre un environnement favorisant dans le cadre du volontariat. Voilà pour ce qui est du volontariat. Et à cet égard, je souhaiterais également mentionner le corps européen du volontariat. Nous nous félicitons de l'avènement de ce programme. Nous nous félicitons de cette proposition de la Commission qui va commencer à partir de 2021. Néanmoins, nous estimons que ce programme doit se fonder sur ce qui existe déjà, sur les organisations de jeunesse, les organisations volontaires. Et elle doit se fonder sur les défis et le travail qui a déjà été accompli par de nombreuses organisations. L'objectif de ce programme devrait être de soutenir ces organisations dans le travail qu'elles effectuent au quotidien. Je vous remercie de votre attention. Bene. It's a good result. Eh? We take a very high consideration of your proposal as you. Voilà, vous avez fait vos propositions en tant que membre du Forum de la jeunesse européenne, notamment des propositions sur le corps de solidarité. Vous connaissez notre position en tant que groupe. Je suis rapporteur fictif. Nous voulons que les choses se poursuivent. Il y a ce corps de solidarité dont le socle, ce sont justement ces bénévoles, ces volontaires. Et puis, il y a également cette éducation, cette sensibilisation à la citoyenneté qui pourrait être organisée. Alors, il ne faut pas mélanger les bases juridiques. Il y a des compétences formelles, informelles. On regarde également l'expérience des organisations, notamment celle de jeunes. Voilà, nous allons insister sur ce point. Merci pour toutes vos suggestions. Maintenant, je vais donner la parole à Luciano Sazzo, qui est le vice-recteur de UNICA. Il va nous dire, il vient de l'Université de la Sapienza à Rome, il va nous dire ce qu'est UNICA. Merci, bonjour à tous, merci à Sylvia de m'avoir invitée. C'est un honneur pour moi que d'être ici parmi vous. Et c'est la salle Aldo Moro qui était mon enseignant, qui a été kidnappé, tué à la fin des années 70. J'espère que le modérateur ne sera pas un peu trop strict. Je vais peut-être dépasser un peu du temps qui m'est apparti. Alors, je vais passer rapidement certains points. La plupart d'entre vous connaissent très bien toutes les personnes, tous les éléments que je vais aborder. L'Université de Sapienza, grande université, plus de 100 000 étudiants. Et c'est un bon endroit pour nous, pour en savoir plus sur l'enseignement supérieur. Je suis également présidente de cette association basée ici à Bruxelles, en Belgique, qui s'appelle UNICA, Université des capitales, c'est ce que cela veut dire. Nous représentons 49 universités de 37 universités en Europe. L'Europe au sens géographique, donc il y a plusieurs pays qui sont représentés mais qui ne sont pas membres de l'Union européenne, tels que l'Islande, la Russie, la Suisse, la Turquie et la Norvège. Bien évidemment, vous êtes tous des experts et nous savons tous quel est le résultat de certaines grandes politiques, par exemple Erasmus. C'était vraiment un très bon nom, je pense. Pour moi, les noms sont très importants. Je crois qu'ils ont une très forte signification. Certains noms des programmes de l'Union européenne changent et nous savons qu'il est difficile d'informer tout le monde, les familles, les étudiants, les enseignants. Donc, il vaut mieux rester cohérent dans les noms que l'on utilise et ne pas les changer. Erasmus, c'est un très bon nom. Nous savons que c'était un universitaire qui enseignait dans diverses universités dans une période où la lingua franca était le latin. Donc, c'était plus simple à l'époque d'enseigner un peu partout. C'était plus simple à l'époque d'Erasme qu'aujourd'hui. Et puis c'est un acronyme aussi, ça nous l'avons oublié.
C'est un acronyme anglais pour le programme d'action pour les régions européennes et la mobilité des étudiants. À la base, il y avait un groupe de visionnaires. Il y avait notamment certaines de mes collègues italiennes dont je me souviens bien. Et l'une d'entre elles, Sofia Corradi, avait du mal à faire reconnaître ses diplômes précédents. C'est la raison pour laquelle elle a dit, eh bien, il faudrait commencer à intégrer les diplômes européens de l'enseignement supérieur. Donc ce n'est pas un hasard si dans le processus de Bologne, on a commencé à travailler dès 1999. Et le problème est lié à Erasmus, la mobilité, les étudiants qui se rendaient dans d'autres universités et dans d'autres systèmes. Moi-même, je suis allée aux États-Unis avant le processus de Bologne. Et avec mon mauvais anglais, je disais, eh bien, j'ai un diplôme. En tant qu'Italien, cela suffisait normalement. Je ne savais pas ce qu'était un bachelor, un master, un PhD. Bon, je ne pense pas être très âgée, mais je dirais que j'avais l'impression qu'il y avait un véritable problème de reconnaissance des diplômes dans les autres pays. Erasmus, c'est un grand succès. Nous sommes allés voir plusieurs milliers d'étudiants au début. Maintenant, nous avons environ 300 000 étudiants par an. C'est bien, mais il faut bien savoir qu'Erasmus, c'est un programme qui s'adresse avant tout à l'élite. Si l'on prend des étudiants d'un contexte socio-économique faible, le taux de participation Erasmus est très limité. Il faudrait augmenter les budgets pour permettre à tout étudiant qui souhaite participer de le faire, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Vous le savez bien, il y a eu toutes ces réussites du processus de Bologne avec l'harmonisation des structures, mais lorsque l'on va sur le terrain, lorsque l'on parle aux familles, aux étudiants, aux enseignants, on voit que certains se plaignent de ce processus de Bologne. Donc là encore, il faut communiquer, c'est essentiel pour faire en sorte que chacun, pas simplement les experts comme nous, connaissent ces succès du processus de Bologne. Et d'ailleurs, comme l'a dit Sacha, c'était le seul moyen d'agir. C'est un bon processus, mais la communication... Bon, les diploma supplements, ça, c'est un très bon outil et il faut tout faire pour communiquer, pour sensibiliser les gens, pour que toutes les personnes qui ne sont pas dans le milieu universitaire sachent ce dont ils retournent. Voilà, là, je vais passer en revue tout cela très rapidement. Je sais que je n'ai que 5 minutes, tout cela, vous le savez déjà. Voilà, je reviens encore sur la question de la migration. Ceci a un impact également sur les universités. Et je vais vous dire ce que nous faisons dans les universités pour ceci. En tant qu'Italien, je suis particulièrement honteux de ce qui se passe. Lorsque l'on regarde le nombre d'Italiens qui se sont rendus en Belgique, hein, au moment du pic, 250 000 personnes par an. C'est bien plus que le nombre de personnes qui traversent la Méditerranée pour aller en Italie aujourd'hui. Et si on regarde l'Argentine dans les années 20, il y avait un pic, à un moment, jusqu'à 900 000 Italiens par an partaient et immigraient en Argentine. Il faut bien garder ces chiffres à l'esprit. Lorsque l'on dit que l'Europe fait face à un flux de migrants, elle est inondée, non. En 2015, au moment du pic, on avait environ 1 million de personnes vers l'Allemagne. Et puis aussi pas mal vers la Suède, c'était le pic, mais encore des chiffres plus faibles que ceux que je vous présente ici. Il y a ce document important publié par Nature, qui, comme vous le savez, est l'une des meilleures publications scientifiques. Là, vous voyez les chiffres, la générosité de certains pays en 2015. Et plus important, c'est donc la suite. Désolée si je vais un peu trop vite. Ça, vous le savez également très bien, vous connaissez tout. Voilà, ça c'est important. Comme vous le savez, les migrants arrivent en Europe suite à un voyage périlleux qui prend parfois plus de 2 ans. Et les migrants font l'objet de stress au moment où ils partent de chez eux, ils ne peuvent pas rester chez eux, les conditions ne le permettent pas. Donc ils ont déjà des problèmes lorsqu'ils partent. Dans de nombreux cas, il y a de la violence, des guerres, une dictature. Ce sont des personnes qui font l'objet de stress avant même de partir. Et puis pendant ce voyage qui dure 2 ans, n'importe quoi peut arriver, des violences. La plupart des femmes sont victimes de viols, même les hommes. Un homme a été interviewé sur l'Aquarius. Et lorsqu'il est arrivé à Valence, au bout de 10 jours, donc le bateau n'a pas pu accoster en Italie, un homme a été violé aussi. Ça arrive aussi.
Et c'est incroyable. Nous, Européens, croyons en certaines valeurs, mais ensuite, nous permettons à ces personnes de nous arriver ici dans des conditions déplorables. Il y a vraiment un problème lié à la santé mentale. Je reviens de Berlin, d'une réunion liée au Sommet mondial de la santé. Il y avait un panel dédié à la santé mentale. La plupart des personnes, bon, dans ce document, ici vraiment, je vous l'encourage à le consulter, donc un document publié dans la publication Nature en 2016, 50% des personnes qui arrivent en Europe ont vu des cadavres, des morts. Imaginez, très souvent, ce sont des membres de leur famille, des enfants, des parents. Sur le plan moral, ça ne devrait pas être possible, acceptable. Et d'ailleurs, c'est notre perception, puisque nous sommes nous-mêmes européens, mais nous voulions que nous sommes des migrants, nous-mêmes. Il y a des actions qui sont lancées par les universités, Sylvie l'a déjà évoqué tout à l'heure, une formation d'experts, des possibilités de formation qui sont données, parfois des formations accélérées, par exemple, si une personne arrive qui a étudié la médecine, bien cette personne peut aider d'autres personnes si l'on reconnaît ses compétences. Donc nous travaillons à tout cela, la reconnaissance des compétences, même s'il manque des documents officiels. Parfois, il est difficile d'obtenir ces documents, mais il y a des moyens de reconnaître les compétences tout de même par le biais d'examens spécifiques. Autre élément qui peut être utile, EUA, qui est la plus grande association d'universités en Europe, il y en a plus de 800, a créé une plateforme, la carte d'accueil des réfugiés. Vous pouvez trouver les initiatives dans chaque pays, les initiatives qui s'adressent aux migrants. Voilà, il faut faire le lien avec les autres initiatives politiques qui existent. Et puis, je reviendrai encore sur ceci, une initiative lancée par la Commission récemment. Nous attendons avec impatience cet appel qui doit être lancé. Comme vous le savez, il y a un projet pilote visant à créer ce qu'on appelle un réseau européen d'universités. Entre 5 et 8 universités que l'on encourage à travailler ensemble dans le domaine de l'éducation, la recherche et l'innovation. Donc ça fait déjà longtemps qu'on le fait, mais là c'est la première fois que nous travaillons main dans la main également dans la recherche et l'innovation. Ce sera donc un petit peu plus complexe. Nous mettons sur pied des consortiums d'universités, c'est très intéressant, c'est complexe mais c'est intéressant. Mon université y travaille, nous avons déjà un réseau fort et nous attendons maintenant l'appel pour déposer notre candidature. Et puis, je conclurai brièvement encore, je sais que j'arrive à la fin du temps de parole, le modérateur me regarde. Et d'ailleurs, une petite anecdote sur les modérateurs. Je sais que dans les réunions universitaires, il y a toujours des modérateurs. Lorsqu'il y a des fêtes avec les enfants, il y a l'animateur. En fait, ça devrait être l'inverse. Les enfants sont très actifs, ils devraient avoir un modérateur avec eux, et on devrait avoir un animateur dans les réunions universitaires. Voilà, ça c'était juste une petite anecdote en passant. L'ère numérique, cela change absolument tout, vous le savez bien. L'industrie 4.0, l'intelligence artificielle, etc. Les entreprises, bon moi je viens du monde de l'écologie, donc je connais bien également ce qui se passe dans la pharmacie. On ne sait pas ce qui va se passer dans 10, 15 ou 20 ans. Alors il est très important pour nous, universités, de former nos étudiants. Il faut leur apprendre à apprendre. Plutôt que de leur fournir des informations uniquement. Les informations, on les trouve sur Internet, tout le monde peut les trouver, mais le problème, c'est le cadre. Il faut avoir un bon cadre culturel et de plus en plus, il y a des formations interdisciplinaires qui seront amenées à prendre de l'importance. On ne peut pas avoir des scientifiques qui ignorent totalement, qui ne savent rien de l'art, de la culture. Donc, il faut une culture intégrée pour faire face à cette révolution. Et c'est vraiment incroyable. Il y a des robots qui font des choses fantastiques maintenant déjà. Donc, l'intelligence artificielle, cela arrive rapidement. Et dans 10, 15 ou 20 ans, nous allons avoir des machines très, très intelligentes. Et puis, dernier point, et là, j'arrive, c'est vraiment la fin. Notre responsabilité en tant qu'université, c'est de créer davantage, de générer des créateurs d'emplois plutôt que des chercheurs d'emplois. Ce n'est pas comme avant, les gens cherchaient un emploi. Non, il faut que des personnes puissent également créer de nouveaux emplois en Europe. Merci. Merci. Also, it's up to you. Thank you so much. Very, very interesting. And merci. C'était intéressant. Et nous comptons sur vous, parce qu'après cette réunion,
Vous allez rédiger un document qui illustre notre position en la matière. Donc nous comptons sur votre soutien, suggestions et interventions. C'est important. Je cède maintenant la parole à professeur Anelia Kelisarov, ancien ministre de l'Éducation en Bulgarie, membre de la 44e Assemblée nationale bulgare, responsable de l'éducation du Conseil. То и различията и обаче и приликите, защото всеки език е красив и аз обичам нашия език, той е наистина много красив. Merci. J'aime le bulgare, c'est une belle langue et je m'exprimerai en bulgare. Merci de m'avoir invité, merci à mon collègue Monchu Nekov, qui est particulièrement actif au Parlement bulgare. Merci à tous les organisateurs, merci tout particulièrement. Et je ne vais pas perdre de temps, sinon vous devrez me rappeler à l'ordre. Permettez-moi de présenter ma position sur l'avenir de l'éducation en mettant l'accent sur la formation secondaire contrairement aux autres intervenants. Parce que avant de parler d'université, il faut s'intéresser aux raisons pour lesquelles les apprenants apprennent. Et cette question est au centre de notre vision. Quelle est notre vision pour la Bulgarie? Eh bien, l'éducation, la question sociale et la culture sont indivisibles. La philosophie est que toute personne puisse être co-auteur. Je m'explique. Tout Bulgare, toute la société doit s'engager pour résoudre les problèmes relatifs à la culture et à l'éducation. I sent the slides 5 days before. J'ai envoyé les transparents il y a 5 ans. Pardon, 5 jours. Okay. It's okay. Sorry. It's no problem. Yeah. Okay. Because my slides in English, but it's no problem. Okay, we'll stay so. And now later. And what? Do you know in our country 61% of нашата страна 61% Dans notre pays, 61% des citoyens estime ne pas être satisfait de l'éducation proposée par l'État bulgare. Terrible. Mais cela présente des aspects positifs, parce que cela veut dire qu'il y a bel et bien une motivation, une volonté de renforcer la qualité de l'éducation. 21 000 enfants restent en dehors du système éducatif, même si, conformément à la constitution bulgare, l'école est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Un sixième des enfants quitte l'école de manière précoce ou refuse d'aller à l'école. C'est énorme, c'est un problème terrible. C'est la raison pour laquelle j'estime que notre objectif doit être que tous les efforts soient engagés de manière à ce que l'éducation ne soit pas gouvernée par des règles simplistes. L'objectif de l'éducation n'est pas une transition rapide vers le marché du travail. Non, non. L'objectif est de contribuer au développement personnel des jeunes bulgares, de leur donner une chance de trouver leur place dans la société. Et par extension, sur le marché du travail. Tamara en a parlé, Sylvia l'a dit également, la volonté d'apprendre, d'acquérir des compétences. Et c'est là que l'on arrive à l'apprentissage permanent. Cet apprentissage permanent doit être la pierre angulaire de tout système éducatif. La volonté de travailler, de ne pas compter ses efforts, d'être organisé, de penser de manière critique. Tout cela se retrouve sur les transparents. Mais que suggère notre vision pour la Bulgarie? Eh bien,
Pour que tout cela se concrétise, nous avons besoin d'enseignants. Aujourd'hui, nous avons un modérateur. Eh bien, à l'instar de ce modérateur, quelqu'un doit jouer le modérateur du processus éducatif. Il faut également des subventions gouvernementales. Les enfants les plus pauvres sont privés de crèches et d'écoles en Bulgarie, tout simplement parce que leurs parents n'en ont pas les moyens, et c'est inacceptable. La Commission européenne a adopté la garantie jeune pour un régime alimentaire sain, un développement intellectuel sain. Par ailleurs, les enseignants doivent pouvoir voyager à l'école élémentaire. Est très difficile pour les enfants de prendre le bus, se lever tôt et aller à l'école. Et même si un village ne compte que 5 enfants, ce village doit disposer d'une école. Et évitons de fermer des écoles. La numérisation de l'éducation, c'est important. Sans la numérisation, sans l'infrastructure numérique, eh bien, nous serons laissés pour compte. Il faut assurer la formation numérique des jeunes et des enseignants. Ainsi que je l'ai dit, le soutien au développement personnel, l'infrastructure numérique, tout cela nécessite du financement. 3,4% du PIB bulgare est consacré à l'éducation en Europe. Cette proportion varie de 5 à 6%. Quel est notre objectif? Eh bien, nous voulons que l'enveloppe budgétaire au titre de l'éducation bulgare soit mise au diapason de la somme qui est consacrée en Europe à l'éducation pour 2020. Venir en aide aux pays les plus pauvres de l'Union européenne est important. Cela leur permettra de combler leur retard en matière d'infrastructure numérique et d'infrastructure éducative. C'est important. C'est une condition sine qua non, sans quoi les jeunes n'embrasseront pas l'idéal européen. Il faut créer également des espaces virtuels ouverts. Il faut également renforcer les programmes éducatifs numériques. Cela profitera aux étudiants, mais également aux enseignants. Le réseau d'universités est important. Il existe d'ailleurs, mais pourquoi ne pas créer un réseau d'enseignants ouvert à toute personne désireuse d'y participer? L'éducation 4.0 doit également comprendre des bibliothèques numériques. Ces bibliothèques numériques permettrait aux petits pays. Затова и разбира се, знаете ли, един голям проблем е европейски регистър за проследяването на движението. D'autant plus que ce registre européen permettrait de garder une trace des progrès réalisés par les enfants. Actuellement, nous ne savons pas combien d'enfants ont quitté l'école, combien se sont rendus à Bruxelles. Or, c'est important, ça nous permettra d'avancer dans la reconnaissance des diplômes. Comme je l'ai dit, la reconnaissance automatique des diplômes universitaires est décisive également. En conclusion, coopérons pour que cette stratégie soit couronnée de succès. Mon invitation à l'adresse de chacun d'entre vous est de devenir un co-auteur. Thank you. Thank you. Sylvia? Thank you so much. I totally. Merci beaucoup. Je suis tout à fait d'accord. Nous devons insister afin que les États membres consacrent davantage de fonds à l'éducation et pour les infrastructures, nous pourrions peut-être partager une proposition là-dessus, mais également dans le cadre de la politique de cohésion, de nombreuses ressources seront destinées aux infrastructures afin de garantir l'accès. En effet, c'est notre
objectif principal pour les jeunes afin que les jeunes aient le droit aux études. Et il est particulièrement important de vous avoir entendu mentionner cela. La parole est au modérateur. Bien, merci de me redonner la parole. Eh bien, nous avons commencé avec 20 minutes de retard, notre panel. Nous avions prévu de terminer le premier panel à 10h45, mais de toute évidence, nous allons avoir besoin d'un peu plus de temps. Comment allons-nous nous organiser? Eh bien, nous avons encore une présentation, puis nous aurons des réactions de la part de la Commission, puis nous aurons le point de vue des députés, puis nous pourrons procéder aux questions émanant de votre part. Donc, nous pouvons dès lors aller jusqu'à 11h, ce qui permettra également à l'autre panel d'entamer ses travaux. Voilà, donc brièvement, vous pourriez peut-être vous présenter, vous pourriez peut-être nous faire une présentation brève et nous poursuivrons. Merci, merci. Je vous remercie de nous avoir invités. C'est un grand honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis... Nous avons l'Erasmus+, qui se fonde sur la solidarité et le partage. Et je vais parler italien, si vous en êtes d'accord, afin de m'exprimer dans ma langue maternelle, ce qui m'est plus simple. Il s'agit de la première communauté d'Erasmus, qui se fonde sur la solidarité et le partage. Scusate. L'abbiamo costruita con Giacomo. Avec Giacomo... Alors que nous étions étudiants d'Erasmus, j'étais au Brésil et Giacomo était à Séville, nous avons conçu cette plateforme. Pourquoi? Eh bien, l'application mobile sera lancée la semaine prochaine. Mais je disais donc, cela répondait à nos besoins, les besoins que nous avons ressentis pendant cette période d'échange et que d'autres ressentaient également. L'étudiant Erasmus est un voyageur qui devient un sage au contact des autres et qui s'ouvre au monde. Donc c'est un voyage, c'est une odyssée psychologique, c'est un parcours de croissance. Au début, on est plein de doutes, on recherche des informations sur Internet. Certaines informations ne sont pas confirmées. On veut... sortir des sentiers battus pendant la période d'Erasmus. Bon, et cette expérience merveilleuse en l'espace de quelques minutes se termine avec tout le traumatisme étudiantin que l'on connaît. Eh bien, nous avons mis au point un prototype. Je ne sais pas si Giacomo peut vous le montrer à l'écran. Tout participant à un échange peut s'enregistrer à ce programme et trouver une ville européenne et trouver tous les autres étudiants Erasmus ayant participé ou participant à un échange dans cette ville avec des filtres. Nous avons 3 filtres. Donc, trouver tous ceux qui sont disponibles à fournir des informations directement par le biais d'une messagerie instantanée. En fait, il ne faut pas connaître 1000 personnes, une seule suffit, qui nous permet de nous ouvrir à la culture. Parce que aujourd'hui, nous vivons dans un territoire qui n'a pas de frontières. Et mon père, quand il est venu en Espagne, il ne savait pas ce qu'il y avait à voir. Il avait besoin d'informations. Les 2 autres filtres sont nos filtres préféré. Il s'appelle Meeting et Hospitality. Voyager, cela veut dire rencontrer des gens. Pas forcément visiter, pas fouler d'autres territoires. C'est-à-dire rencontrer des personnes prêtes à présenter leur vie, de manière à pouvoir voir la ville différemment, par les yeux de l'étudiant Erasmus. Merci, d'ailleurs, de la possibilité que vous m'avez donnée
de vous fournir cette explication. L'hospitality. Oui, et c'est là que l'on comprend toute la solidarité de ce programme. Certains, pendant la période d'Erasmus, voyagent plus de 25 fois, entre 7 et 25 fois. Et trouver des personnes disponibles, prêtes à accueillir des étudiants Erasmus, c'est important parce que voyager, cela coûte cher. Et d'ailleurs, à Bruxelles, près du Parlement européen, nous avons rencontré des personnes qui nous ont ouvert leurs portes, qui nous ont laissé leurs clés. Vraiment, nous pouvons retourner chez elles. Merci. Merci aux deux créateurs de cette application. Bon, nous verrons s'il est possible de faire une démonstration. Le lancement aura lieu la semaine prochaine. Donc nous voulions vous donner un avant-goût ici à Bruxelles de ces trois dimensions de la rencontre. Rappelons le filtre hospitalité auprès de familles accessibles, ouvertes. Et cela répond à un intérêt de notre groupe et de la commission culture, l'accessibilité du programme Erasmus. Une question sociale, une question d'égalité et d'égalité des chances surtout. Je vous remercie. Thank you, Sylvia, and thank you as well for... Merci Sylvia. Merci pour cette idée en vue d'encourager de nouveaux échanges entre les jeunes notamment. Nous allons maintenant nous tourner vers la Commission afin qu'elle nous donne des informations à propos de ce qui a été présenté. We can also go like that, yes. Yes, okay, so we can go with the... Oui, Monsieur Nekov, peut-être quelques réactions à ce qui a été proposé ce matin. Je vous en prie. Merci, Marco. Je souhaiterais souligner les priorités principales pour nous. J'ai pris mes notes en bulgare, donc je vais continuer dans ma langue maternelle. Mais avant cela, je souhaiterais féliciter tous les intervenants ce matin parce qu'ils proviennent de différents secteurs, de différents domaines. Et ils nous ont fourni des informations très utiles afin de voir comment nous pouvons aller de l'avant. Je pense que tout cela est ancré à l'échelon national. C'est la raison pour laquelle je souhaiterais intervenir notamment. 49% de la force active doit être formée et seul 11% n'a pas de qualification. 70 millions n'ont pas de personnes, n'ont pas de compétences pour ce qui est de la lecture. Et donc, j'ai parlé avec Sylvie de cette conférence. Quel est notre objectif? Que pensent les socialistes? Quelles sont les idées que nous avons? Comment allons-nous remporter les élections? Comment allons-nous y parvenir? Et comment allons-nous indiquer clairement quelles sont nos priorités? Dans un premier temps, notre priorité, ce sont les personnes et non pas la numérisation. C'est la raison pour laquelle, en tant que rapporteur pour les nouvelles qualifications en Europe et au nom du groupe socialiste, moi, ce que je souhaite, c'est avoir plus d'insister sur les compétences, sur les aptitudes de la part des étudiants dans le cadre également du processus d'apprentissage tout au long de la vie. Vous nous avez fourni des données qui sont particulièrement importantes. En effet, nous devons avoir des personnes qui sont qualifiées et par la suite qu'elles apprennent la théorie et avoir accès à des emplois. C'est-à-dire qu'il faut faire la différence entre les faits et les avis. Lorsque nous parlons dès lors d'idées socialistes et de messages à transmettre, Sylvia, vous l'avez dit également, ce qui importe, c'est
de voir que les problèmes se fondent sur des politiques. Et notre politique est précisément de soutenir les jeunes, les enfants. Et c'est la raison pour laquelle je suis en faveur de la garantie en faveur des jeunes. En effet, les jeunes sont bien plus vulnérables que les adultes. Et tout vient de l'enfance. Ce que nous souhaitons faire en Bulgarie, c'est avoir un processus inclusif dans le pays afin que tout le monde ait accès à l'éducation. Et une fois que les compétences en lecture, écriture sont bien ancrées, on puisse avoir accès également à l'enseignement professionnel. Au siècle précédent, nous avions d'excellents résultats en matière d'enseignement professionnel dans de nombreux pays européens et nous pourrions peut-être tirer les enseignements de cette expérience du siècle passé. Puis une autre priorité sur laquelle je me suis penchée au cours de ces 4 dernières années porte sur l'éducation formelle et non formelle et de la formation professionnelle. Je souhaiterais commencer en évoquant l'échelon local, national. Je viens d'une ville qui se trouve près du Danube, dans la partie orientale de l'Europe, et une étude sera présentée permettant d'établir un lien entre le monde des affaires et l'éducation, afin que l'on puisse précisément voir ce dont nous avons besoin, afin que les gens ne quittent pas ma ville, Silista, pour trouver un emploi ailleurs. Ce que nous souhaitons, en effet, c'est établir des liens avec des emplois, des universités. Moi, je dois partir. Comme je l'ai dit, je dois me rendre à Silista. J'ai 2 vols à prendre, 500 plus plusieurs kilomètres à parcourir avant de parvenir dans ma ville natale. Donc je souhaiterais vous remercier. Je pense qu'en effet, avec des idées simples, lorsque l'on partage ces idées, nous pourrons remporter les élections. Je vous remercie. Thank you very much. Merci beaucoup. Et bon voyage. Bon retour. Bonne chance. Momchil, peut-être que les autres ne le savent pas, il faut le rappeler, notre proposition garantie enfant, une proposition lancée par notre groupe. Merci d'avoir évoqué ceci. Ok, so now we can go to... Voilà, maintenant nous pouvons écouter la commission. Je sais qu'il n'est pas facile pour vous de répondre là à ce stade, puisqu'il y a de nombreuses parties prenantes dans la salle et divers intérêts, points de vue... Alors, bien évidemment, on peut être d'accord avec ce qu'il dit, mais il y a des limites dans ce que l'on peut faire au moment où l'on travaille sur les textes. On a parlé d'Erasmus+, de la solidarité, du corps de solidarité, ainsi que d'autres éléments. Je ne vais pas entrer dans les détails, je pense que cela va être évoqué. Alors, un petit changement... Au lieu d'écouter Giorgio qui n'est pas là, nous allons écouter la personne qui est en charge de la coordination d'Erasmus+ avec lui et Flor Van Hout, chef d'unité pour la solidarité, volontariat, les jeunes, stages, etc. Voilà, vous pouvez répondre aux questions qui ont été soulevées par les membres du panel. Bonjour à tous, je vais commencer. Eh bien, je pense que nous sommes tous sur la même longueur d'onde, vraiment, si l'on regarde ce qui se passe dans le domaine de l'éducation et de la culture en Europe depuis 1 an et demi, 2 ans, on voit qu'il y a une convergence. Tout d'abord, combiner culture et éducation, voir comment les deux éléments peuvent se renforcer mutuellement afin que chacun prenne à bras le corps cette identité européenne, notamment les jeunes. Et puis... l'aspect inclusion sociale qui a été évoqué à plusieurs reprises. En effet, cela revêt une grande importance dans nos travaux depuis un certain temps.
J'attire votre attention sur des documents qui ont été publiés récemment par la Commission, notamment la communication de fin 2017. Il y en a eu une autre en mai de cette année. Il y a eu une recommandation sur la promotion des valeurs communes, une éducation inclusive et la dimension de l'enseignement en Europe. On en a également parlé ce matin. Pour ce qui est de ces acteurs locaux, régionaux, nationaux, comment travailler avec eux? Nous travaillons avec des partenaires, des parties prenantes, mais aussi avec les autorités des États membres. Nous rassemblons tout le monde dans ce qu'on appelle le contexte ET 2020. Il s'agit d'un cadre dans lequel chacun peut apprendre des autres, et ceci nous a aidés à faire émerger de bonnes pratiques sur toutes les questions que vous avez mentionnées ce matin. Par exemple, il y a un groupe de travail citoyenneté où l'on travaille beaucoup sur la migration, par exemple. Cela a été évoqué par M. Sasso. Il y a beaucoup donc de choses à apprendre les uns des autres, de bonnes idées qui fonctionnent dans la pratique, que l'on peut reprendre ailleurs. Et voilà, il peut ensuite y avoir un effet multiplicateur. Je vais maintenant revenir avant tout sur ce que vous avez dit. L'importance d'avoir un lien entre les programmes et les politiques. Ceci, nous le prenons très au sérieux. Nous avons fait une proposition pour le nouveau programme Erasmus au mois de mai. Et nous y travaillons avec vous. Nous avons un peu plus avancé. Le Conseil a avancé également un peu plus vite que vous. Nous attendons maintenant le rapport de la Commission de la Culture que nous devrions obtenir lundi prochain. Nous voulons vraiment avancer sur tous ces domaines par le biais du financement et de l'aide prévue dans le cadre d'Erasmus. Le programme Erasmus a une architecture réduite, mais les grandes thématiques sont bien représentées. L'inclusion, voir comment nous voulons utiliser le doublement, triplement, multiplication par 10, je ne sais pas, du budget, pour pouvoir s'adresser aux groupes vulnérables, aux personnes qui ont moins de possibilités, les nouveaux arrivants dans le programme, ceux qui n'ont pas pu y avoir accès auparavant. Nous ne voulons pas non plus oublier l'innovation, l'excellence que nous soutenons par le biais du programme. Ce n'est pas une honte que de dire que les recommandations par pays mettent trop l'accent, en effet, sur l'éducation, comme vous l'avez dit. Mais l'éducation, c'est nécessaire, c'est une condition préalable pour construire les compétences nécessaires pour que les personnes puissent avoir accès au marché du travail. Il y a également d'autres éléments que je pourrais évoquer, mais voilà, ce sont les principaux que je viens de mentionner ici et j'espère que nous pourrons avancer rapidement vers une adoption de ce programme pour pouvoir garantir sa bonne mise en œuvre. Voilà, je vais maintenant donner la parole à mon collègue qui va vous parler de la jeunesse et pour répondre à ce qui a été dit sur le corps de solidarité et le volontariat. Merci Sarah. Alors, si je lis mes notes, après avoir écouté les divers intervenants, je vois que les collègues de la DG Éducation et Culture qui travaillent sur l'éducation et les jeunes partagent beaucoup des points de vue qui ont été exposés. Vous avez dit qu'il ne fallait plus avoir cette mentalité en silo. Nous faisons de notre mieux à la Commission. On parle de valeurs, d'inclusion, de citoyenneté. C'est vraiment l'une des grandes priorités pour nous, pour les politiques de la jeunesse. Il y a une grande convergence entre ces différents éléments et le programme Erasmus+ nous a beaucoup aidé à renforcer cette coopération. Nous travaillons sur divers secteurs, il y a des partenariats entre diverses organisations. Comme l'ont dit les divers orateurs, c'est très bon, c'est une bonne chose, puisque chacun peut apprendre quelque chose, découvrir de nouvelles méthodes de travail et enlever ce côté formel à l'éducation pour peut-être avoir une meilleure validation des compétences acquises de façon non formelle. Voilà donc de nouvelles idées qui sont lancées pour, dans l'intérêt de tous. Alors, que se passe-t-il dans le domaine de la jeunesse? Nous sommes fiers puisque cela fait quelques jours maintenant que le corps de solidarité existe bel et bien. Le premier appel a été lancé, ou plutôt clos, cette semaine. Les agences nationales maintenant vont commencer à évaluer les projets
et d'ici la fin de l'année, les membres du corps pourront commencer à travailler dans cette nouvelle base juridique articulée autour de la solidarité et du volontariat. Nous parlons également avec le Conseil de la nouvelle stratégie pour la jeunesse. Elle a été proposée un peu plus tôt dans cette année par la Commission. Cette stratégie se base sur deux piliers. D'une part, la participation des citoyens, participation des jeunes à la vie civique, et d'autre part, apprendre, développer ses compétences. Ce qu'a dit Andrea du Forum des jeunes est tout à fait juste. Il s'agit de travailler avec des organisations tout en investissant son énergie pour la société, pour en retirer quelque chose soi-même. C'est une expérience qu'il faut promouvoir. Cela nous paraît important et une nouvelle stratégie pour la jeunesse nous montre, cette stratégie nous montre qu'il y a beaucoup de différences par rapport à la précédente. Nous avons voulu indiquer la valeur ajoutée de la politique pour la jeunesse. Il y a trois mots-clés: engager, connecter, donner le pouvoir. Alors engager, c'est travailler avec les jeunes, les faire participer, notamment dans la prise de décision, avoir un dialogue, savoir ce qui est important. Nous pouvons d'ailleurs beaucoup apprendre de l'expérience des jeunes. Et pour eux, c'est également un moyen de concrétiser la démocratie. Connecter, faire des liens, c'est très important. L'appel a déjà été lancé, mais cela va au-delà du corps de solidarité. Il y a de nombreuses façons de connecter ces jeunes. L'impact, le résultat, c'est quelque chose de formidable. C'est toujours la meilleure partie de notre travail, de demander aux jeunes qui participent à ces activités, Erasmus, corps de solidarité, de leur demander ce qu'ils ont pu en retirer. Et à chaque fois, la réponse vraiment vient du cœur. Cette expérience de découverte d'autres traditions, on voit qu'il y a d'autres chances qui se présentent à nous en dehors de notre propre pays. Voilà, c'est ce que l'on a en commun dans tous les programmes de mobilité. Et enfin, donner du pouvoir à ces jeunes. Nous voulons que chacun ait la possibilité de participer à ces programmes, de pouvoir profiter de ces chances qui leur sont données. Et pour certains, bon, en effet, cela se fait, mais pour d'autres, ce n'est pas possible. Il faut des structures organisées pour faire connaître ces programmes. Parfois, les jeunes ne comprennent pas l'importance de ceci pour eux-mêmes. Et pour les jeunes qui sont dans un environnement assez déprimant, il s'agit de leur donner la confiance nécessaire pour montrer que l'on peut investir dans ses compétences, même après un échec scolaire. Nous avons beaucoup d'outils à notre disposition. Alors, il y a vraiment beaucoup d'idées pour concrétiser tout ceci. Nous voulons une nouvelle stratégie qui nous fasse passer des mots à l'action. Et nous comptons sur les États membres, sur les organisations de jeunes, sur les jeunes, le Parlement et tous vraiment pour nous accompagner tout au long de ce chemin. Merci. Should we give also the voting for... Merci. La Commission peut-elle avoir la possibilité de voter? Donc votons sur ce que dit la Commission. Soyons honnêtes, hein, je sais que tout le monde veut être l'ami de la Commission. Some yellow papers, it means we... bon, un peu de jaune. Ce qui veut dire que les débats seront intéressants. Mais avant de passer au débat, je crois qu'il faut laisser un peu plus de temps aux intervenants. Merci, je serai très bref. Et je me limiterai au titre. Merci au rapporteur. Qui ont pris des décisions, ont fait des choix à mettre au crédit de notre groupe au titre de la stratégie générale. Je crois que les questions de fond concernent tout d'abord les décisions sur le terrain dans toute l'Union européenne. Mais le groupe social-démocrate est également concerné.
faut donner la priorité à ces grands défis. Il faut également évaluer les programmes en profondeur. D'ailleurs, nous l'avons toujours fait valoir. La commission est disponible, mais parfois, très difficile de comprendre le langage de la commission. Mais j'en suis convaincu. Aujourd'hui, il est possible, selon les traités, d'avancer dans toutes ces thématiques. Je suis tout à fait d'accord. Il faut dépasser le stade des quelques mesures que nous avons prises. Ensuite, comme nous l'avons répété, l'éducation doit fournir une formation complète. Et d'ailleurs, notre avis Horizon 2021-2027 va dans ce sens. Nous avons insisté sur cette question de la formation complète. Le parcours traditionnel est important, mais également d'autres filières, d'autres types d'enseignement. Je ne pense pas uniquement à l'université, doivent être pris en considération. Une formation globale, adéquate, est importante. Et de ce point de vue, l'éducation à la citoyenneté doit être intégrée, ce qui me permet de rebondir sur ce qu'a dit Sylvia. D'ailleurs, merci de cette initiative. La formation en Europe doit être modernisée. D'ailleurs, nous tirons tous dans ce sens et je crois que nous pourrions progresser davantage dans cette modernisation de l'éducation sur le plan opérationnel. Alors, le sommet de Göteborg, où enfin la dimension culturelle a été réellement intégrée. Je crois que c'est un pas important dans la bonne direction. Nous avons maintenant un accord entre les trois institutions de l'Union européenne en vue de s'engager au titre de ces questions. Et cela en dit long sur l'apprentissage, l'enseignement que nous avons tiré des négociations sur Lisbonne. Bon. Nous ne pensons pas que l'année européenne de la culture de 2018 soit une fin en soi. C'est un point de départ. Sur le Fonds social européen, permettez-moi d'insister parce que ce matin, nous en avons parlé, mais il convient d'entrer dans les détails maintenant. Et évoquer la question des ressources, bien entendu. Étant donné le cadre économique, la question des ressources propres de l'Union européenne pour faire face à ces grands obstacles doit être évoquée. Bon, bien entendu, ça n'est pas important. Mais bon, moi, je suis également versé dans les affaires économiques et monétaires, donc cela m'intéresse. Et Sylvia a d'ailleurs fait référence au pacte de stabilité. Ça n'est pas anodin comme référence. Il faut qu'il y ait un consensus au sein des États membres. C'est un élément important. Cela doit être une réflexion que nous devons engager. Et le Parlement ne doit pas être la seule institution à se consacrer à cette réflexion. Le Conseil doit en faire partie également et les représentants des États membres. Nous voulons un espace européen de l'éducation. Bon, effectivement, c'est la finalité de l'agenda que nous avons mis en place. Mais peut-être faudrait-il consacrer un peu plus d'attention à la formation professionnelle. Et ce, à plusieurs égards. Permettez-moi de rappeler que l'industrie culturelle créative est le secteur qui compte le plus de jeunes dans ses rangs. 20% des actifs de ce secteur sont des jeunes qui sont allés à l'école jusqu'à 15 ans et présentent également des travailleurs de 29 ans, doctorants. Ça veut dire qu'il y a réellement un potentiel. Et c'est un laboratoire de ce que sera l'emploi au sens large à l'avenir. C'est donc un secteur stratégique. Enfin, le volontariat. Il faudrait engager une réflexion en profondeur sur la signification profonde du volontariat.
Je crois que cette notion de bénévolat dans volontariat est un élément culturel que nous devrions nous rappeler. Avoir adopté l'appellation volontariat avec tout ce que cela implique de caractère trompeur, de caractère vague, eh bien, cela peut faire naître des difficultés parce que mélanger ce qu'il n'y a pas lieu de mélanger n'est pas le choix le plus indiqué actuellement. Et je sais que c'est la résultante d'une difficulté qui caractérise les rapports entre commission et parlement. Et d'ailleurs, je ne pointe personne du doigt, mais j'en profite. Je le dis d'ailleurs tout particulièrement aux représentants du Forum des jeunes. C'est important. Merci. Merci, Luigi. Je suis tout à fait d'accord, particulièrement avec la fin de votre intervention. Vous allez prendre la parole plus tard, non? Parce que nous avons beaucoup de retard. Mes collègues ont déjà évoqué plusieurs éléments sur lesquels je concorde. Si nous souhaitons relever tous les défis à l'avenir, par exemple l'agenda concernant la numérisation, la robotisation, l'apprentissage tout au long de la vie, de nombreuses questions sur lesquelles nous consacrons du temps, eh bien, ce que je souhaiterais savoir, c'est que la Commission réponde à ma question concernant la stratégie, concernant l'alphabétisation professionnelle, en quelque sorte. C'est une question sur laquelle j'insiste, parce que c'est une question qui pourrait concerner tout un chacun. Il n'y a pas de groupe démographique, de groupe de personnes qui ne seraient pas concernées par cela. En effet, nous devons élaborer des stratégies qui permettent d'inclure l'ensemble de la société, des personnes qui sont démunis, d'autres qui ont plus de ressources, pour toutes les personnes. Nous devons contrôler le temps que nous avons et plusieurs politiques devraient intervenir dans ce domaine. Bon, peut-être que j'ai été rébarbative au cours de ces 5 derniers mois parce que je pose les mêmes questions. Je sais que nous le faisons par exemple pour le programme STEAM. Nous devons dès lors intervenir et insister sur l'aspect professionnel, la formation professionnelle. Merci. Je vous remercie. Nous allons changer maintenant de panel. Sylvia, nous avons encore des questions à poser. Vous pourriez peut-être rester un peu plus longtemps, étant donné que nous avons des demandes d'intervention. Vous pouvez également utiliser votre vote. Nous avons 3 questions. Le temps presse. Les premiers arrivés seront les premiers servis. Je vais parler italien. Et parce que parle. Et je vais parler de formation professionnelle. Et par respect pour notre fondateur, je parlerai italien. On n'a pas beaucoup parlé de formation professionnelle, c'est dommage. Pourquoi? Eh bien, j'ai agité le papier jaune parce que les entreprises doivent être impliquées, certes, mais nous, responsables de la formation, sommes les acteurs de cette formation professionnelle, comme l'a dit M. Morgano, dans l'industrie culturelle. Nous ne sommes pas en phase avec les dernières évolutions. C'est la raison pour laquelle nous sommes coincés. Les écoles techniques professionnelles, moi je viens de l'Institut Don Bosco, donc il faut également parler de citoyenneté. La stratégie de 2020 s'est fixée un objectif de 40% d'enseignement supérieur. Mais qu'en est-il des 60 autres pourcents? Qu'en est-il en matière de citoyenneté? Il faut que pour ces 60%, c'est important. Il fallait le dire aujourd'hui. D'ailleurs, l'intervenante bulgare qui a parlé des NEET, de ceux qui sont en décrochage scolaire, il faudrait trouver pour eux des filières éducatives
plus adaptée, plus adéquate, parce que la formation technique, ça ne veut pas dire être sensibilisé à l'humanisme, à la citoyenneté, à certaines valeurs. Il faut donc que les jeunes, au passage, excusez-moi de ne pas parler des adultes, mais les jeunes doivent être au centre du projet éducatif dont nous sommes les acteurs. Very important. Merci, oui, en effet, c'est très important. Deux autres intervenants, je vous en prie. Merci beaucoup. Raphaël Chiara de l'Association européenne pour l'éducation des adultes. Je suis tout à fait d'accord avec le professeur Sasso qui a indiqué que le nom d'Erasmus est particulièrement important. Je pense en effet qu'Erasmus transmet un message. C'est la raison pour laquelle nous estimons que le plus devrait également être attribué au prochain programme Erasmus Plus. En effet, lorsque l'on songe à ce programme, il ne porte pas seulement sur la mobilité, l'éducation supérieure, mais également d'autres secteurs, l'apprentissage tout au long de la vie, par exemple. Et si nous souhaitons insister sur le caractère inclusif de ce nouveau programme, eh bien, il faudrait inclure les adultes. Nous ne les avons pas vraiment mentionnés, notamment pour ce qui est de l'éducation non formelle destinée aux adultes. Si nous souhaitons dès lors atteindre les groupes vulnérables, ayant un horizon désavantagé, mais pas seulement. Si nous souhaitons atteindre tous les citoyens, eh bien nous devons inclure cela. Il s'agit également de renforcer la démocratie, il s'agit l'éducation au sein de la communauté, et c'est pour cela que je souhaitais intervenir. Merci. Can we pick up another question and then... Yeah, please. Autre question? Merci, je m'appelle Laritini. Je vais représenter les jeunes Italiens dans le cadre du sommet pour les jeunes. Je suis également responsable d'un projet. Et je souhaiterais vous remercier d'avoir dit, monsieur le professeur Sasso, que le programme Erasmus ça concerne une élite. Mais... plusieurs personnes ne peuvent avoir accès à l'éducation supérieure, un premier diplôme, etc. Donc, je pense que vous l'avez indiqué. Bon, par exemple, moi, je suis italienne. Dans mon pays, il n'y a pas de bourse pour le Collège de l'Europe. Donc, pour poursuivre mes études, je dois me tourner vers la banque, avoir besoin de 20 000 euros. Et pensez-vous qu'une banque va vous accorder un tel prêt en l'espace de 3 semaines? Ce n'est pas possible. Maintenant, je suis au Royaume-Uni, à Londres, au moins. Je peux... avoir accès à une éducation de très grande qualité. Mais il est particulièrement important de mettre l'accent également sur le volontariat. Je crois que nous devrions avoir davantage de fonds pour Erasmus Mundus afin que l'on puisse avoir des positions élevées. Nous sommes perçus comme l'élite qui n'a cure d'autre chose. Mais il faudrait rendre possible que tout un chacun puisse avoir accès à toutes les universités. Merci. Thank you. Merci. Avant de donner la parole à Sylvia, afin qu'elle puisse clore ce premier panel, je vous demande de reprendre vos téléphones pour répondre à la question suivante. Est-ce que le programme Erasmus+ devrait conserver le plus dans son nom ou pas? Vous voyez, je me suis bien préparée. Yeah. Let's see. Okay, we got 3 questions. Alors, nous avons posé 3 questions. Je vais donner la parole à Sylvia dans quelques instants. Alors, la commission souhaite-t-elle réagir à ce qui a été dit dans la salle?
Alors Sylvia, je vous donne la parole. Vous pourrez clore ce premier panel. Mais tutto. Tout d'abord, j'ai parlé de l'importance égale des différents systèmes d'éducation. Nous l'avons dit, nous l'avons rappelé dans tous les documents, il faut le rappeler. Et d'ailleurs, je remercie tous ceux qui l'ont répété. Je crois que l'égalité des chances doit concerner les parties prenantes également, mais les systèmes surtout. Deuxièmement, dans ma région, j'ai veillé à ce qu'il y ait des instituts supérieurs techniques. C'est ce qu'il manque dans le sérail éducatif de notre pays. En France, ça n'est pas le cas. En Angleterre, ça n'est pas non plus. La formation non académique, en coopération avec les universités, dans une phase post-diplôme, oui, le système en alternance, sur des périodes de 2 ans. C'est important. Et l'égalité des parcours, c'est important. C'est pour une question d'étalonnage. Moi, je suis favorable au Pi+. Et le collègue Libachka l'est également. Nous partons du principe que tout le monde a compris qu'Erasmus n'est pas uniquement un programme destiné aux universitaires et à la mobilité. Ça fait maintenant 5 ans qu'Erasmus a évolué, mais la confusion règne sans partage. Parce que tout le monde déplore le fait qu'Erasmus soit uniquement conçu pour les universités. Mais ça n'est pas le cas. Le programme pour la jeunesse, c'est important, nous l'avons défendu. Donc, moi, je ne veux pas revenir en arrière. Moi, même si je pense que toutes les facettes d'Erasmus pouvaient cohabiter sous l'appellation Erasmus, mais on a l'impression qu'en tout état de cause, les autres programmes n'ont pas leur place. L'initiative Erasmus ne concerne pas uniquement la mobilité des universitaires. La mobilité pour l'enseignement supérieur est importante, mais il faut renforcer les partenariats. C'est l'action 2, c'est important, pas uniquement pour l'université. Mais ça a été la fuite en avant. On a oublié que les citoyens ne comprennent pas. Nous avons tenté... D'ailleurs, je me souviens l'initiative des prêts, des prêts d'honneur. Mais ça n'a pas fonctionné. Nous essayons de revoir notre copie, de faire une nouvelle proposition pour les jeunes, parce que ça n'a pas encore fonctionné. Mais la question du coût, des bourses, de l'accès au financement, sont des questions importantes. Et d'ailleurs, nous devrions consacrer davantage de fonds. Les subventions, au-delà des services et prestations, doivent être plus cohérentes. Cela permettra l'accès. Bon, je me tiendrai à ces quelques considérations, sinon nous n'aurons pas suffisamment de temps pour le dernier groupe d'experts. D'ailleurs, j'appelle les experts, je les invite à me rejoindre. Je crois que les mots d'ordre sont au nombre de 3. Éduquer l'Europe, en Europe, avec des systèmes comparables et éduqués dans le contexte d'un espace européen. Voilà, sur ces 3 points, nous pouvons conclure. J'appelle Giorgio Grammatica et Daniel Levotti de la commission budgétaire. Je vous en prie. Ok, thank you. Thank you, Sylvia. Merci, Sylvia. Merci d'avoir clos ce premier panel, et pendant que les membres du deuxième panel prennent place à la tribune, nous allons nous chauffer un peu pour le panel suivant. Et là, je vous demande de prendre vos cartes de vote une fois encore. On vote beaucoup, hein, aujourd'hui. Voilà, alors nous commençons par une question difficile, comme tout à l'heure. Parce que le panel va parler de la culture, la créativité et les médias comme ressources pour le développement, l'inclusion et l'innovation. Alors, utilisez vos cartes rouges, jaunes ou vertes. La culture est le meilleur outil pour promouvoir la citoyenneté européenne. Si vous êtes d'accord avec cette déclaration, carton jaune, vert. Si vous n'êtes pas d'accord, alors le rouge. Et si vous n'êtes pas sûr, eh bien, le jaune.
Alors, nous avons une majorité qui est d'accord. Il y en a même encore qui laissent leur petite feuille verte levée, comme Madame Ward. Et nous avons eu aussi un peu de jaune. J'imagine que ces personnes soit ne partagent pas ce point de vue, ou alors aimeraient écouter les membres du panel avant tout. Alors, je donne la parole à Sylvia afin qu'elle nous présente les membres du panel. Je vais vous faire signe comme tout à l'heure. Quand je fais signe, cela veut dire qu'il vous reste une minute seulement. Et cette fois-ci, je vais vraiment être stricte parce que c'est le deuxième panel. Et bon, les gens commencent à s'endormir. Et donc, il faut être bref. Oui, très brièvement. Merci de votre présence. Je remercie en particulier les experts que je présenterai plus tard. Merci à Barbara Gessler et d'autres représentants de la commission budgétaire. Merci à Piotr Kosmatika, rapporteur du nouvel agenda pour la culture, qui présente cette approche globale et qui s'inspire des propositions du Parlement que nous avons obtenues grâce à des années de travail pour la culture et qui donne un aperçu qui dépasse les frontières européennes. Bon, Julia, vous la connaissez, responsable du programme pour la coopération au développement, qui comprend cette stratégie sur la diplomatie culturelle, stratégie que nous avons élaborée l'année dernière. Nous avons travaillé avec le collègue Brock et Commission Affaires Extérieures, et Daniel Diatti, qui s'est toujours intéressé à ces questions d'éducation et de culture, et qui est assez cohérente parce que en commission budget, il a défendu nos objectifs de la culture en consacrant davantage de fonds à nos objectifs, avec une plus grande intégration de la dimension culturelle dans les autres programmes européens. Nous traversons un moment charnière, nous travaillons tous à l'élaboration du CFP, et je crois que nous pouvons en conclure que sur le plan de la culture, nous avons 3 ou 4 points que nous voudrions soumettre à votre attention, mais nous n'avons que très peu de temps. Dans le programme, dans les 10 priorités de Juncker en début de législature, le mot culture manquait à l'appel. Je crois que la Commission peut en attester. Notre objectif est de ne pas renoncer. Dans notre commission, ainsi que dans d'autres commissions, nous avons été solidaires. Cette dimension culturelle du projet européen, nous l'avons rappelé, en partant du postulat qu'il fallait une gestion intégrée et participative du patrimoine culturel, matériel, immatériel et désormais numérique. Sans revenir à ces richesses, à ces ressources qui procurent cette identité européenne, qui rappelle l'importance de la valorisation du patrimoine culturel, il s'agit là d'une allégorie, une allégorie de l'histoire européenne. C'est un moteur d'innovation, d'inclusion également, et de développement durable et de renaissance économique. Ça a été le postulat de départ qui a donné naissance à la proposition. Bon, nous n'avons pas eu d'accord tout d'abord, mais ensuite nous avons obtenu gain de cause et ainsi l'année européenne de la culture a vu le jour. Diverses initiatives, différents projets transnationaux, des milliers de projets en Europe ont ainsi été lancés pour rappeler la dimension culturelle dans tous les projets. Je crois que c'est dans la gouvernance que nous avons le plus progressé. Les coordinateurs nationaux de l'année, les parties prenantes qui ont été sélectionnées grâce à une adjudication, nous sommes arrivés à 19 directions générales de la Commission qui, par le passé, estimaient que la dimension culturelle était une dimension isolée. Alors qu'aujourd'hui, il y a une espèce de concurrence. Une conférence à haut niveau
a été organisé des ministères de la recherche, comme le disait précédemment mon collègue, se sont réunis avec des universitaires, les titulaires de la recherche, de l'éducation et de l'innovation, c'est important d'insister, se sont réunis. Madame Mogherini était présente à cette réunion. La culture, l'éducation, dans tous les rapports internationaux, donc, c'est devenu une condition sine qua non. Nous avons maintenant un rapport dont je suis responsable sur l'Europe créative. La partie culture tient un rôle prééminent. La musique, la culture, la conception, le design et une approche plus transsectorielle, interdisciplinaire, ils sont mis en avant, et un programme de mobilité des artistes pour les créateurs culturels. À cela s'ajoute la question des entreprises culturelles créatives, et c'est notre collègue Morgano qui s'en occupe. Il s'agit là d'un des secteurs les plus prometteurs en matière de création d'emplois, d'investissement, de création. 12% du PIB y serait consacré. De nombreux travailleurs sont actifs dans ce secteur. Et les points communs avec le patrimoine culturel, la numérisation et les entreprises culturelles, c'est tout le défi. C'est la raison pour laquelle nous avons intégré Digital Europe, le fonds InvestEU et Horizon 2020, qui ne donne que trop peu d'espace à la culture, à l'humanisme, à la recherche culturelle et à la numérisation de la culture. Bon, voilà. J'en ai terminé pour ces quelques propos liminaires. L'éducation culturelle, le patrimoine culturel font partie de la perspective culturelle directement liée à ce défi. Le projet européen se survivra grâce à la culture. Bien. Voilà, quelques pistes de réflexion à votre attention. Et je vais maintenant céder la parole au premier intervenant, que je remercie au passage. Rosa Pérez Banclus, responsable politique de Culture Action Europe. Vous la connaissez, j'imagine. Ah, je ne la vois pas, oui. Félicitations parce que vous avez été nommée à la présidence pour la deuxième fois. Il s'agit là d'associations culturelles importantes. Et je vous remercie parce que vous avez également rédigé un document extrêmement intéressant. Thank you, Ms. Costa, and thank you to the... Merci, Madame Costa. Je souhaiterais remercier le groupe SED de nous avoir confié. Oui, en effet, nous n'avons pas beaucoup d'espace pour réfléchir à la politique culturelle européenne à l'avenir. Mais pour ce faire, nous devons nous pencher sur ce qui se passe à l'heure actuelle et ce que nous avons pu faire au cours de la législature actuelle. Bien des choses se sont produites. Nous avons célébré l'année de l'héritage culturel européen. Nous avons été les témoins d'une lutte et d'une bataille concernant les droits d'auteur sans précédent. En commençant par l'année européenne de l'héritage culturel, eh bien, ce que nous avons pu constater, c'est que nous avons souhaité inclure l'héritage culturel tangible, numérique également, afin d'avoir une approche éthique. Je pourrais entrer dans le détail si vous le souhaitez un peu plus tard, mais ce que nous n'avons pas pu atteindre, c'est faire preuve d'audace pour traiter la question de l'aspect culturel partagé, qui peut être source de cohésion, notamment lorsque nous adoptons une approche critique et constructive. C'est peut-être d'ailleurs quelque chose qui doit aller de pair avec l'héritage
culturelles, avec des approches plus traditionnelles, telles que l'environnement bâti, par exemple. Nous sommes tout à fait d'accord pour dire que l'un des éléments réussis portait sur le modèle de gouvernance. Ce que nous souhaitons, dès lors, c'est nous fonder sur cela afin de le propager dans d'autres secteurs. Et au-delà, ceci signifie que nous devons travailler avec nos collègues dans le domaine de l'éducation, nous devons travailler de manière plus approfondie avec nos collègues des relations extérieures, nous devons également avancer pour ce qui est de la recherche, des domaines STEAM, nous devons également inclure des pays tiers. Et pourquoi avons-nous besoin de ce modèle de gouvernance, comme nous l'avons entendu dire auparavant? C'est dû au fait que dans le cadre de la culture, nous n'avons pas obtenu de bons résultats en ce qui concerne le pilotage de ce processus de manière inclusive. Cela signifie que lorsque l'on se tourne vers la nouvelle génération de tous ces programmes, nous constatons qu'il n'y a pas une couverture holistique de tous les secteurs de la création. Nous avons les industries créatrices, mais cela ne constitue qu'une fraction de l'ensemble du secteur. Ces structures de gouvernance pourraient contribuer à cet aspect inclusif. Et là, ce que pourrait faire le Parlement européen dans le cadre de son prochain mandat, c'est avoir cet ensemble dans toutes les commissions. Cela est particulièrement important en vue d'éviter la fragmentation sectorielle, parce qu'en effet, il y a lieu de couvrir tous les secteurs culturels et de voir quels sont les aspects communs. C'est-à-dire que lorsque vous demandez au secteur culturel qu'attendez-vous de l'Europe, ils ont tendance à répondre l'aptitude, la mobilité des biens culturels également. C'est peut-être d'ailleurs l'une des approches spécifiques concernant la distribution des aptitudes et qui peut répondre aux attentes de chacun. Pour ce qui est maintenant des données, eh bien, je souhaiterais faire preuve de prudence parce que nous constatons qu'il y a un fossé qui se creuse entre les monopoles numériques et la pauvreté numérique, le secteur public. Il doit y avoir une coopération. En effet, nous avons des informations sur notre consommation culturelle, nos pratiques culturelles, et il faut trouver un moyen de résoudre cette question parce que nous disposons de toutes ces informations. Si nous souhaitons fournir ces informations sur les politiques culturelles, puis nous devons avoir un équilibre. Cela signifie que nous devons nous doter de subventions, de mesures incitatives fiscales. Et une fois que nous serons dotés de tous ces instruments, eh bien, à partir de là, je pense que chacun pourra trouver sa fenêtre d'opportunité. Puis, il faut travailler en se fondant sur le centre. Pourquoi ? Parce que la plupart des productions culturelles font l'objet de recherches, d'expérimentations dans les espaces marginaux. Mais cela ne sera pas financé par des intermédiaires, par le secteur privé. Néanmoins, il est particulièrement crucial dans le cadre de la chaîne de la créativité de procéder à un partage. Et c'est la raison pour laquelle nous devons évoquer de plus en plus souvent de la création, de la recherche artistique en Europe, mais également dans le cadre d'Horizon et au-delà. Pourriez-vous être bref, s'il vous plaît? Oui, nous avons un nouveau programme, de nouvelles propositions, mais avant d'aller de l'avant, nous devons traiter les problèmes en souffrance afin de voir comment nous pouvons faciliter l'accès aux petites et micro-organisations. Nous devons nous pencher également sur les taux de cofinancement, voir quelles sont les ressources. Dernier point que je souhaiterais évoquer lorsque l'on se tourne vers l'avenir, eh bien, sur le plan politique, nous ne pouvons ignorer le fait qu'il y a un nouveau paysage politique, de la méfiance, et qui s'oppose aux valeurs de l'Union européenne. Nous sommes particulièrement préoccupés par l'expression artistique et nous avons des exemples tangibles de ce qui se produit sur le terrain
Et je souhaiterais lancer un appel afin que l'on soit prudent, qu'il y ait une tendance à la vigilance. Merci. Is director of a museum. Nous allons maintenant écouter notre collègue du musée de Egizio de Turin, l'un des plus grands musées d'Europe. Donc, il s'agit de Christian Greco. Mais il est également très engagé afin d'élargir le public, notamment aux migrants. Il va nous expliquer quel est le défi auquel il est confronté, les défis auxquels sont confrontés les musées en Italie, en Europe, tout en mettant l'accent sur la façon d'être inclusif et de donner la place aux musées dans le système d'éducation. Merci à Sylvia Costa de m'avoir invitée, c'est un honneur pour moi. Je commencerai par quelques phrases prononcées lors d'un congrès de muséologie qui a eu lieu à Florence en septembre dernier. Les participants de toute l'Europe essayaient de définir les musées et ils ont dit que les musées changent la vie en inspirant et en menant au débat, à la réflexion, on revient à la dignité de la personne de la Renaissance en tant que composante réelle du développement humain. In the diversity of our cultural expressions, museums... Dans la diversité de l'expression culturelle, les musées amènent à une approche empathique vers la différence, la tolérance. Il s'agit d'avoir du respect de l'hospitalité tout en respectant les communautés internationales et la conviction que ce qui unit les gens est plus important que ce qui les divise. Les musées transforme les mémoires et les souvenirs en dialogue. C'est un mécanisme qui permet d'assurer la continuité de l'existence humaine. Je dirais que dans le point de vue muséologique, il faut bien dire que les migrants font partie de nos politiques. Dans les documents, nous indiquons que les migrants doivent percevoir les musées comme des lieux de libération, des lieux d'accès à la citoyenneté, où les histoires liées à la citoyenneté permettent la libération. Ce matin, nous avons entendu comment l'éducation permet aux gens de devenir de meilleurs citoyens. Mais il ne faut pas oublier le rôle des musées. Très souvent, il y a une distinction qui est faite entre université et musée, et nous oublions ce que sont les musées. Ce n'est pas qu'un amas d'objets dans un même endroit. Les musées, ce sont des personnes. Les musées ont un patrimoine tangible et intangible. Il y a toute cette recherche, tout au fil des siècles pendant lesquels les personnes ont travaillé, et tout ce que l'on transmet aux générations à venir. Et donc, nous devons... Bon, moi, je suis italien, et dans mon cas, je dois demander à l'Italie d'approuver la convention de Faro pour préserver le patrimoine culturel intangible. Les musées sont des institutions culturelles, des lieux de rencontre. C'est la base même de l'identité européenne. Nous sommes tous citoyens, nous regardons tous les objets d'une même manière. Le patrimoine culturel, bon, par exemple, si je dois définir ce qu'est le patrimoine culturel italien, où commencer et où m'arrêter ? Il y a également des éléments en Libye, par exemple. Donc, ce patrimoine culturel montre que les frontières n'ont pas de sens, montre également l'importance de la mobilité. Les musées peuvent être un nouveau lieu pour former de nouveaux citoyens et de nouveaux universitaires. Il faut reconnaître le rôle des musées en tant que centre de recherche. Il faut leur donner, tout comme aux universités, la possibilité d'accorder des
doctorat et autres, les gens demandent à être formés au patrimoine culturel. Ils veulent travailler directement sur le terrain. Et les musées peuvent être le lieu où le débat dont nous parlions ce matin a lieu, le débat sur les humanités. Parce que les musées, par leur nature, sont multidisciplinaires. Par exemple, il y a une question très importante que nous devons nous poser, et j'étais ravie d'entendre ce matin déjà le fait qu'il fallait remettre les humanités au centre de nos préoccupations. On parle beaucoup de la numérisation. Et maintenant, nous devons nous demander ce qui va se passer pour les enfants qui ne sont pas encore nés, ceux qui prendront des décisions dans 20 ans. Que penseront-ils de notre patrimoine culturel ? Penseront-ils que l'on peut faire des modèles 3D à partir d'absolument tout ? On peut fermer les musées et tout mettre, tout imprimer en trois dimensions ? Comment faire pour que nos musées soient durables sur le plan social ? Nous sommes aujourd'hui dans un monde en évolution constante et je fais toujours cette comparaison avec Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ, où Socrate se battait pour pouvoir défendre la tradition orale par rapport à la tradition écrite. Et aujourd'hui, nous entrons dans l'ère numérique. Nous devons nous demander comment nous pouvons protéger notre patrimoine culturel, pas simplement en disant qu'il y a un caractère sacré, puisqu'il y a des éléments anciens, ou alors est-ce sacré parce que c'est un original. Il faut commencer à parler de la biographie des objets. Chaque objet a sa propre biographie. Un objet archéologique nous parle, notamment dans mon musée, je peux vous le dire, parle de ce qui s'est passé dans la côte sud de la Méditerranée. Il y a des dizaines de milliers d'années, tout cela a été oublié et puis redécouvert ensuite grâce aux travaux d'excavation, de collecte, et maintenant c'est un des éléments de l'identité européenne. Alors comment faire le lien avec les nouvelles générations ? Comment avoir une recherche novatrice avec les centres en charge du patrimoine culturel, sans oublier ce paysage européen ? Comment informer, former les citoyens qui visitent nos musées ? Voilà, la mobilité des personnes, également la mobilité du patrimoine culturel, et je terminerai avec une expérience que j'ai faite en Italie et aux Pays-Bas. Parce que moi-même, je suis un produit d'Erasmus et j'en suis fière. J'ai participé à un programme Erasmus qui m'a menée aux Pays-Bas. Je devais y rester 7 mois. Je suis restée 17 ans, donc ce n'était pas Erasmus+. En fait, j'ai pratiquement grandi là-bas. Alors, qu'est-ce qui est important ? Il y a un musée national des antiquités à Leiden. Il y a le musée Egizio à Turin, qui ont été créés à peu près en même temps, dans les années 1820. Il y a des lettres très importantes adressées au roi disant « il faut acquérir cette collection égyptienne, c'est uniquement si nous avons cette collection que nous pourrons être un grand pays ». Voilà ce qui a été dit à l'époque. Bon, l'Italie n'existait pas, ce n'est que 42 ans plus tard qu'il y a eu l'unification, mais une lettre a été envoyée au roi de Sardaigne pour lui demander d'acquérir cette collection égyptienne, ce qui permettrait de faire de l'Italie un grand pays, puisqu'ainsi il y aurait la première collection d'antiquités à Rome, à Florence, à Turin. Voilà, il faut revenir à tout ceci. Et on a accordé 75% du budget annuel pour acquérir cette collection. Inutile de dire que cet investissement dans la culture, faire le lien entre la culture et la recherche avec l'information aux citoyens, et puis ce musée également à Amsterdam. Je vous invite à vous rendre dans ce musée Rex aux Pays-Bas pour parler également aux citoyens. Voilà, les musées sont des lieux de recherche, des lieux d'éducation permanente pour tous, y compris les enfants. Christian. Qui ? Allora, ok. Merci. Oh. And so you are obliged now to visit the Turin Museum. Bon, maintenant vous avez une bonne raison de vous rendre au musée à Turin, c'est exceptionnel. Et je vous avais demandé à fournir quelques détails sur l'extension de votre public cible. Vous savez, les migrants, les personnes issues du monde arabe. C'est important. Je vais maintenant céder la parole à François Matarasso.
dont l'expérience n'est plus à démontrer en matière de participation communautaire. Vous êtes un spécialiste de la participation communautaire. Je vous remercie. Thank you very much. Before I start, Merci. Pour moi, c'est important d'être ici pour réaffirmer mon identité culturelle européenne. Alors que ma nation tourne le dos à cette identité européenne. Je vais tenter de ne pas dépasser les 5 minutes, donc excusez-moi de lire. En juin 1976, les ministres européens de la culture se sont réunis à Oslo, sous l'autorité du Conseil de l'Europe. Ce rassemblement est un point charnière dans la politique européenne culturelle, parce que des élus ont enfin considéré la culture, non pas d'un point de vue national, ni même d'un point de vue artistique, mais du point de vue citoyen. Les délégués issus d'Europe occidentale avaient une politique intégrée dans l'État-providence d'après-guerre. La culture devait être plus démocratique, plus accessible, mais cette approche a des limites et elles sont devenues évidentes dans les années 60. La conférence d'Oslo a voulu trouver une nouvelle voie, la démocratie culturelle. Dans le cadre d'un rapport préliminaire, il était dit que la démocratie culturelle met l'accent sur les conditions permettant à la population de devenir des participants actifs et pas uniquement des réceptacles passifs de la culture. C'est une idée radicale qui laisse entendre que tout un chacun est capable de créer de l'art. La différence entre les artistes et les autres citoyens était plutôt une question de mesure que de frontières réelles. Les artistes non professionnels ont également voix au chapitre culturel. Ils ne doivent pas être rejetés au motif que leur création n'est pas académique. Élargir la définition de la légitimité artistique est un pas vers l'acceptation culturelle. Permettez-moi la lecture de deux résolutions de cette conférence d'Oslo. La première est la suivante. La politique sociétale doit avoir une dimension culturelle, mettant en exergue les valeurs humaines, l'égalité, la démocratie et l'amélioration de la condition humaine, en particulier en garantissant la liberté d'expression et en donnant une réelle chance pour l'exercice de cette liberté. La politique culturelle ne peut se restreindre exclusivement à la prise de mesures au titre du développement, de la promotion et de la popularisation des arts. Une dimension supplémentaire est maintenant nécessaire qui permettra de reconnaître la diversité de nos sociétés, renforcera le respect pour la dignité humaine, les valeurs spirituelles et le droit des minorités de leur expression culturelle. C'est ce que révèlent les ministres ayant participé à cette réunion. Nous sommes maintenant 40 ans plus tard et je pense que ces idées restent importantes. La culture est un héritage, une ressource commune qui nous appartient de manière égalitaire. Chaque citoyen a le droit de créer de l'art dans l'exercice de ses libertés démocratiques. La première tâche de la politique culturelle est que ce droit devienne réalité. Tout le reste, le droit des artistes, l'éducation culturelle, la protection de l'héritage, le soutien à la production, repose sur ce socle. Deuxièmement, la démocratie culturelle est importante parce que les révolutions sociales, économiques, culturelles et technologiques que nous connaissons transforment les citoyens dans leur rapport à l'art et la culture. Ils peuvent créer, publier, partager, critiquer l'art d'une manière qui était encore inimaginable en 1976. La démocratie culturelle devient réalité tout autour de nous. Le sérail politique doit le comprendre pour répondre favorablement aux conséquences que cela implique. Il serait idiot
de penser que ces conséquences seront exclusivement positives. Les intérêts culturels des citoyens ne sont pas tous similaires et ne vont pas de pair avec ceux des artistes, avec celles des institutions ou des producteurs commerciaux. Les minorités doivent être entendues. Elles trouvent une place prépondérante dans la résolution d'Oslo, mais elles restent marginales. Et l'absence de représentation artistique est synonyme de vulnérabilité pour ces communautés. 40 années après Oslo, l'Europe aujourd'hui est un continent différent, confronté à des défis différents. Si la culture doit être synonyme de force et non de clivage, eh bien ce sera parce que les élus auront trouvé un moyen de faire en sorte que la culture démocratique devienne une réalité pour tous les citoyens. Je vous remercie. Je vous remercie d'avoir fait référence à la démocratie culturelle et à la résolution qui est particulièrement importante et qui ne date pas vraiment. Nous votons. Beautiful result. Many compliments. Superbe résultat. Toutes mes félicitations. Bien. Maintenant, je vais donner la parole à Anne Baker, qui est responsable de la politique et des affaires publiques de l'ISFE. Il s'agit de la Fédération des logiciels interactifs en Europe. Vous aurez la possibilité de nous présenter de nouveaux domaines de la culture, à savoir les jeux vidéo. Nous avons découvert au cours de ces dernières années, et au début je dois admettre que je n'étais pas vraiment favorable à l'inclusion des jeux vidéo dans ce domaine, parce que j'estimais qu'il ne s'agissait que de jeux. Néanmoins, nous avons appris à apprécier votre engagement au plan européen afin d'insister sur le contenu culturel, la dimension culturelle de cette nouvelle approche concernant les jeux vidéo, et c'est la raison pour laquelle nous souhaitons, en tant que rapporteur, l'introduire dans le cadre de la tendance visuelle et des médias. Mais c'est à vous de mieux nous expliquer ce que vous faites. Merci Madame Costa, je souhaiterais vous remercier de nous avoir invités à ce débat important aujourd'hui. C'est un honneur pour nous d'être ici. Nous considérons en effet faire partie de l'industrie créatrice européenne dans son ensemble. Lorsque, comme l'a indiqué Madame Costa, nous représentons l'industrie des jeux vidéo en Europe, nos membres couvrent des organisations professionnelles dans 18 pays. Nous avons également des entreprises de jeux vidéo qui sont directement représentées également. Comme je l'ai indiqué, les jeux vidéo à l'heure actuelle font partie de l'industrie créative en Europe. C'est un secteur qui permet de renforcer la croissance en Europe. En 2017, les recettes européennes émanant de notre secteur représentaient à peu près 20 milliards d'euros. Nous avons à peu près 50% de la population européenne qui joue à ces jeux vidéo. C'est à peu près 250 millions de personnes qui sont concernées. Et lorsque l'on parle des jeux vidéo, on dit que les clichés les concernant ne les concernent plus. Nous avons un groupe d'âge de 45 à 60 ans. 50% des personnes jouant à ces jeux sont des femmes. Dès lors, il s'agit d'un impact important dans différents secteurs. Bien, je vais vous expliquer les tenants et aboutissants de ces jeux vidéo. En effet, des équipes composées d'experts
éminent se penche sur ces jeux qui mettent l'accent sur l'aspect interactif, c'est-à-dire que ces jeux sont des jeux interactifs. Mais on va au-delà du logiciel. En effet, il y a des équipes de création qui sont impliquées dans le développement de ces jeux vidéo. Vous avez des éléments visuels, des éléments sonores. Vous avez également des récits particulièrement étoffés avec une trame. Et c'est ce mélange d'aspects technologiques et d'aspects artistiques qui permettent de mettre l'accent sur l'aspect novateur. Nous constatons qu'il y a beaucoup d'innovations dans ce secteur. Cela a des retombées de toute évidence dans tous les autres secteurs culturels tels que l'art, la mode, le cinéma, la musique. Les jeux vidéo font également partie maintenant des collections des bibliothèques. Des musées, oui, bien sûr, des musées. Il y a des jeux vidéo consacrés aux musées et nous avons également participé à la conférence sur le patrimoine culturel organisée par le président Tajani au mois de juin. Et je crois que cela concerne également le fait de remettre en question les silos. Et pour ce faire, il y a lieu d'interagir avec plusieurs secteurs. Nous avons les secteurs créatifs, mais également d'autres secteurs. Nous avons des éléments novateurs dans le cadre des jeux vidéo, mais ceux-ci ont des retombées dans des secteurs totalement différents. Nous avons le monde virtuel qui a été créé dans le cadre des jeux vidéo, sont également utilisés pour tester l'intelligence artificielle afin de procéder à des tests concernant ces applications dans le monde virtuel qui par la suite seront diffusées dans le monde réel. Donc cela va vraiment au-delà du secteur concernant les jeux vidéo. Nous avons eu une consultation au sein du Parlement européen sur l'intelligence artificielle et comment cela peut avoir une incidence sur le développement. Et nous avons été surpris par l'attention qui a été portée. Un débat a été lancé et la présentation a été téléchargée sur notre site. Présentation qui a permis de fournir des informations sur l'intelligence artificielle. Bon, ce qui importe, c'est que l'Europe continue à être ce centre de création, de culture. À cette fin, et d'ailleurs nous l'avons entendu ce matin, à cette fin, je souhaiterais indiquer une fois de plus le fait que l'agenda pour les aptitudes doit faire l'objet d'un encouragement. Nous devons avoir également des aptitudes en matière d'encodage. Cela doit être compris dans les différents programmes. Nous soutenons les efforts déployés par la Commission et le Parlement européen concernant la semaine consacrée à l'encodage. Toutes ces mesures, en effet, sont particulièrement importantes et doivent se poursuivre. Puis, il y a un autre élément important dans le cadre de ce monde numérique, c'est l'enseignement numérique. Nous pensons, en effet, qu'il y a lieu de promouvoir cela, notamment dans un environnement numérique. Et enfin, ce sera le dernier point que je vais soulever, nous avons besoin de mesures incitatives permettant de promouvoir les jeux vidéo, qu'il s'agisse de l'échelon européen par le biais de programmes médias, par le biais de plusieurs politiques, mais il y a lieu de procéder à cela également à l'échelon national par le biais de politiques ou par le biais de mesures fiscales incitatives. Merci. Thank you so much. Merci. Je vous rappelle juste qu'en Europe. Ah, désolé, désolé. Vote, sorry. Vote and some dance. Okay, thank you. We put in a very.
Nous mettons beaucoup en avant cette initiation au numérique et aux médias. Il faut reconnaître les compétences en la matière. Il y a ce plan d'action numérique qui doit également se concentrer sur les questions culturelles de compétences. Voilà, merci. Maintenant, j'ai le plaisir de donner la parole à Roberto Rampi, sénateur responsable de la culture au Parti démocratique de mon pays. C'est à vous, Roberto. Innanzitutto, mi scuso per parlare in italiano. Merci. Je m'excuse de devoir parler italien. Et en fin de compte, je me suis beaucoup interrogé et j'ai décidé de parler italien. Et j'ai entendu beaucoup de compatriotes parler italien. Et comme ça, on fait mentir ceux qui pensent que les Italiens ne parlent pas italien. Bon, merci à Sylvia pour tous ces travaux engagés ces dernières années. Merci à Sylvia, mais à tout le groupe socialiste. Ou plutôt sociodémocrate. Merci pour tous ces efforts engagés au titre de l'investissement culturel européen. Nous en avons besoin. Et je dois dire que pour l'instant, les échanges sont de haut vol. Je crois qu'il faut être conscient de notre bataille. Nous devons livrer plusieurs batailles, toutes cohérentes. La première est une bataille qui concerne la valeur de la culture. Ces dernières années, nous avons guerroyé contre ceux qui pensent que éventuellement on peut investir dans la culture si on a un surplus de fonds. Que certes, la culture, c'est joli, mais que cela fait partie d'une époque révolue, d'une époque de vaches grasses, maintenant que nous avons davantage de difficultés financières, la culture n'a plus aucune importance. Mais ça n'est pas vrai, nous l'avons vu. Et nous avons vu le nombre de feuilles vertes que vous avez agitées. Il y a consensus. Mais ça n'est pas suffisant. À l'extérieur de notre salle, à l'extérieur du Parlement, beaucoup ne sont pas d'accord. Moi, je pense, comme d'autres, que la culture est un instrument économique. C'est un vrai filon. C'est un moteur de recherche et de croissance. Moi, je défends l'idée selon laquelle il faut protéger la culture, mais je ne pense pas qu'il faille protéger la culture de l'argent, comme si la culture avait quelque chose d'angélique, de fragile. Non, ça n'est pas vrai. Moi, je crois qu'il faut au contraire mêler l'argent à la culture. Il faut investir dans la culture parce que c'est important au titre de la démocratie. La démocratie est née là où l'on a décidé que les citoyens devaient aller au théâtre. Avant, c'était impensable pour le simple citoyen. Le théâtre est un symbole de la culture, de la démocratie, mais cela vaut pour les musées, pour une bibliothèque et pour les jeux vidéo également. Moi, j'en suis convaincu. La démocratie réside dans la culture. Et la démocratie a été inventée de toutes pièces au 7e, 8e, 9e siècle, parce que la démocratie telle que nous la connaissons est relativement jeune, elle est récente, et elle se fonde sur un socle, la diffusion culturelle. Sans la pensée critique, sans la diffusion culturelle, sans l'art, l'art d'un point de vue concret, la démocratie n'existe pas. Et aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Nous avons commencer à perdre du terrain sur le plan de la diffusion culturelle. Quelle en est la résultante? Le recul démocratique. Aujourd'hui, nous travaillons avec de nombreux militants et nous luttons pour défendre l'état de droit, le droit, les droits en général. Mais c'est une bataille qu'il faut livrer sur le plan culturel. Parce que nous ne sommes pas une majorité à penser que l'état de droit est important.
nous sommes des élites et il faut réintégrer le peuple, les penseurs, les artistes. Moi, j'ai écouté ton intervention sur les musées et en tant que maire adjoint, j'ai eu l'honneur d'assister à l'ouverture d'un musée. On se rend compte dans un musée, et dans une petite ville près de Milan, on se rend compte qu'il y a une sépulture d'une fille slave et un plat qui vient d'Algérie. Et en fin de compte, cela résume nos origines, slaves et arabes, parce que les origines résident dans ce mouvement constant, dans les migrations, la migration permanente. Voilà. Et Mediolanum, le nom de cet endroit, ça se trouve également aux confins de ces mouvements de population. La deuxième bataille doit être livrée sur le plan politique, à l'intérieur de nos partis, à l'intérieur du groupe sociodémocrate. Cette doit être la bataille principale de tous les défenseurs de l'Europe l'année prochaine. La culture doit être notre cheval de bataille. Si nous livrons la bataille culturelle, nous livrerons ipso facto la bataille contre les fascistes, contre les racistes. Nous livrerons la bataille pour l'égalité, pour la tolérance. Sans la dimension culturelle, nous ne serons pas couronnés de succès et nous serons contraints de livrer des batailles d'arrière-garde. Nous devons être une source de fascination, voilà, d'inspiration. Au début, j'ai agité le papier jaune, mais après, vous m'avez convaincu et mon papier est devenu vert, parce que l'éducation est fondamentale, je suis d'accord, mais l'éducation doit être au contact de l'art, dans toutes les occurrences de la culture, et comme l'a dit Luigi, elle doit devenir érotique. Parce que aller à l'école, ça ne doit pas être un devoir, ça doit être un plaisir presque physique. Si l'Europe, si tant est que l'Europe est une fonction de le monde, je crois qu'elle doit résider dans la culture et je crois que ça doit faire l'objet de notre bataille principale. Conclusion de this. Allora, voti. Beh, meno male. Adesso andiamo a convincere gli altri. Adesso dobbiamo convincere gli altri. We have to convince the others. And so thank you so much, Roberto. I totally. Merci, Roberto. Eh bien, je reprends votre proposition. Je suis moi-même convaincue du fait que la culture s'inscrit dans la démocratie, mais également dans tout ce que nous faisons pour l'Europe. La dimension culturelle, éducation de ce projet européen, c'est essentiel. Tant de possibilités pour l'avenir. Et comme l'a dit notre collègue Julie un peu plus tôt, nous voulons continuer à avoir ce pont de la culture qui nous unit, quoi qu'il arrive avec le Brexit. En tout cas, il y a de plus en plus de plaintes, de préoccupations qui sont exprimées au sujet du Brexit et qui nous parviennent. Des étudiants, notamment, et pour eux, cette dimension européenne, c'est quelque chose de tout à fait normal, partager la même culture dans la diversité. Voilà, c'est donc un message très important que vous venez de nous faire passer. Alors, nous devions nous arrêter à 12h15, mais nous allons aller jusqu'à 12h30. Il y a un autre événement dans cette salle après, donc il nous reste encore une vingtaine de minutes pour écouter les députés qui sont là, que je vois au premier rang. Il y a également la Commission européenne. Je vais peut-être commencer par vous, parce qu'il y a déjà plusieurs idées qui ont été lancées. Vous pouvez peut-être nous donner une première réaction. Nous avons ici Barbara, chef d'unité de Creative Europe à la Commission européenne, et Gabriele Bertoli,
en charge de l'industrie audiovisuelle et des programmes d'aide aux médias de la Commission européenne. Voilà, dites-nous ce qui vous vient, quelles sont les réflexions que vous inspirent ces interventions des panélistes. Bon, il faudra que la Commission puisse également répondre aux députés. Les députés sont peut-être un peu pressés. Nous allons peut-être avant tout écouter Georgios, notre collègue qui s'occupe de l'agenda pour la culture. Nous allons écouter Judy, Daniele. On peut en fait avoir des échanges dans les questions et les réponses. Très bien, nous allons d'abord écouter les députés. La Commission pourra répondre pour avoir un meilleur dialogue. Je crois. Yes. No, Greek. I prefer Greek. Je préfère m'exprimer en grec. Je pense que la journée d'aujourd'hui est particulièrement importante et les deux panels. Moi, je dois dire que j'ai été impressionnée par les présentations. Et ce qui me pose problème, c'est que tout le monde ait voté avec un bulletin vert. Je souhaitais voir quelques réactions, objections. Eh bien, moi, je vais exprimer certaines objections bienveillantes. Par exemple, à l'adresse de Madame Pérez. Eh bien, moi, je ne comprends pas ce que vous entendez par une couverture holistique, globale. Cela pourrait entraîner également une réduction de la qualité. Et donc, la culture ne peut comprendre tout ce qui existe sur la planète. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié dans le cadre de votre présentation, c'est que vous avez déclaré qu'il y a un renforcement du fossé concernant l'accès. Et étant donné qu'il s'agit de quelque chose de très important, je souhaiterais avoir davantage d'informations à cet égard. Puis, l'intervention de M. Gréco a insisté sur le rôle joué par les musées. Eh bien, moi aussi, j'ai été convaincue de me rendre dans des musées que je n'ai jamais visités en me fondant sur votre présentation. Néanmoins, je ne comprends pas vraiment comment allons-nous intégrer les migrants? C'est ce que vous avez dit. Moi, je crois savoir que les problèmes auxquels sont confrontés les migrants sont particulièrement importants et la dernière chose à laquelle ils songent serait de visiter des musées. Puis, pour ce qui est des sciences naturelles et le fait de les revoir, eh bien, je pense que nous sommes tout à fait d'accord. Néanmoins, nous vivons une époque qui est particulièrement rétive à cela. Puis, à l'adresse de M. Matarazzo, je souhaiterais dire qu'il nous a rappelé la conférence d'Oslo. Cela nous a réjouis parce que cela me corrobore dans la pensée que parfois l'humanité régresse, c'est-à-dire que la conférence d'Oslo était une conférence particulièrement pionnière, vous l'avez confirmé, mais comme vous l'avez également indiqué, l'Europe c'est un autre continent et moi j'espère que nous allons également surmonter cela. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire là-dessus et moi je vote vert afin que l'Europe surmonte ces problèmes. C'est bien la première fois que je vote avec autant d'enthousiasme, mais je souhaite également m'attarder sur la présentation de Madame Becker et elle m'a surprise et c'est de manière positive. Moi, je n'ai jamais joué de ma vie à ces jeux vidéo, jamais. Et vous avez cité des chiffres qui m'ont impressionné. Vous avez dit que 50% des Européens participent à ces jeux vidéo et 50% de ces 50% de citoyens européens sont des femmes. Étant donné qu'il s'agit de chiffres particulièrement impressionnants, eh bien, je souhaiterais avoir des informations supplémentaires. Vous avez dit qu'il s'agit d'un secteur de l'industrie créative, je suis tout à fait d'accord. Néanmoins, je suis aux antipodes en ce qui concerne les incitations, parce que je pense que tout le monde a besoin d'incitations et je pense que l'industrie du vidéo est suffisamment florissante, donc il faut qu'elle améliore sa qualité et je dois insister, je ne la connais pas, je n'ai aucune culture en ce qui concerne les jeux vidéo. Puis, la dernière présentation était une présentation
de Monsieur Rimpeau qui a indiqué que nous avons de nombreuses luttes à mener. Moi, je vous suis dans ces luttes, monsieur, et heureusement, vous avez évité la confusion qui existe entre l'économie et la culture. Vous avez indiqué cela, vous avez indiqué que cela ne doit pas être suivi, et j'ai beaucoup aimé la citation de monsieur Berlinguer, c'est-à-dire que nous devons ici être plaisant, et comme je pense que ce n'est pas mon cas, je m'arrêterai ici et je vous remercie de votre attention. Two of you would like to speak now, right? Deux d'entre vous souhaitent intervenir? Si nous avons le temps, eh bien je pourrais peut-être dire deux mots concernant le nouvel agenda pour la culture. Oui, eh bien, je pense que c'est particulièrement important et d'ailleurs c'est encourageant de constater que la Commission européenne s'efforce de mettre en œuvre une idée qui date, une procédure également qui date concernant la culture. Ces éléments sont particulièrement importants, mais rien ne pourra avoir lieu si nous n'avons pas de financement. En effet, nous avons besoin de financement. Nos propositions visent à renforcer le financement tous les secteurs de la culture, mais je le répète, nous n'avons pas vraiment de temps pour analyser cela. Le nouvel agenda pour la culture et pour la première fois, et vous serez d'accord avec moi, est un excellent guide nous permettant d'aboutir à une meilleure Europe. Je ne vais rien dire de plus. Merci. Thank you very much. Merci. There it goes. First of all, alors, je vais revenir sur un peu tout ce qui a été dit. Vous savez peut-être que j'étais la première députée apprentie des musées. Il y a une petite vidéo de moi passant une journée entière dans un musée à Maastricht. J'ai oublié le nom du musée, ça je m'en excuse. J'étais au centre, dans le centre culturel de Maastricht pendant toute une journée. C'était un très beau musée, un centre d'art. Et j'ai participé à tout. J'ai même fermé les portes à la fin de la journée. J'étais derrière le comptoir. C'est une très bonne initiative qui a été lancée. Il s'agit de faire en sorte que les politiques, les décideurs, soient au cœur des musées pour apprendre ce qui se passe dans les coulisses. J'ai regardé comment on faisait les travaux de rénovation, de conservation. J'ai appris beaucoup de choses. C'est intéressant pour nous aussi. Parfois, on est assis ici toute la journée, mais il faut voir ce qui se passe dans le monde réel. Et ce n'est pas juste nos circonscriptions, c'est également ce qui se passe dans les institutions culturelles que nous tentons de défendre par le biais de nos politiques. Lorsque nous déposons des amendements, lorsque nous luttons pour les financements. Alors, je vous invite tous à vous pencher sur ce programme, allez voir cette vidéo, allez-y vous-même et encouragez d'autres députés à l'avenir de faire ce que j'ai fait moi-même. Et la culture, on peut la retrouver ailleurs. On n'a pas suffisamment parlé de ces autres espaces. Les bibliothèques sont des lieux de premier plan, mais qui sont aujourd'hui attaqués par les politiques d'austérité. De nombreuses bibliothèques ont dû mettre la clé sous la porte. Nous avons de bonnes librairies pour les groupes de conseil, par exemple, mais dans nos pays, ces lieux, ces espaces ouverts où les gens se rassemblaient sont de plus en plus menacés. Ces bibliothèques sont même ouvertes dans mon pays aux personnes sans logement, aux personnes qui ne peuvent pas payer le chauffage chez elles. Il y a des activités très intéressantes qui sont organisées en utilisant des ressources, des archives. Il faut donc parler de ces autres espaces. Et lorsque l'on parle de ces espaces, il faut parler également de l'extérieur, du plein air. Il y a eu une autre conférence promue par le groupe SED avec mon soutien. Il s'agissait de l'art en plein air. Comment cet art en plein air permet de travailler, d'apporter des réponses à de très nombreuses questions.
Et puisque nous parlons de ces espaces, il faut également reconnaître que la droite, les extrémistes, veulent fermer ces espaces communs. Ils ont très peur de ce qui pourrait se passer au sein de ces espaces ouverts où l'art et la culture sont un outil d'exploration, où des questions sont posées. Nous n'avons pas forcément les réponses, mais nous avons confiance dans ce processus pour la créativité qui peut nous apporter de vraies réponses aux questions, des réponses nouvelles, des choses auxquelles on n'a peut-être pas pensé avant. Alors je pense que nous devons vraiment lutter pour ces espaces ouverts. Il faut également parler de l'expansion de la définition des arts et de la culture. Très souvent, on a une définition très restrictive et c'est pour ça qu'il est bon d'avoir par exemple des représentants du secteur des jeux vidéo. Il y a également les arts de la rue, divers moyens de s'exprimer, et avant ça n'était jamais associé à la culture, on ne pensait pas que c'était de la culture. Il faut vraiment être plus inclusif et pas moins. Encore quelque chose sur les médias. Dans le nouvel agenda pour la culture, ce qui manquait, c'était les médias, la liberté des médias. J'ai pu parler avec quelqu'un de la commission à ce sujet et on m'a dit « bon, c'est implicite, mais ça ne suffit plus ». Ça ne suffit plus d'avoir de l'implicite, il faut de l'explicite. Il faut que les choses soient explicites, notamment lorsqu'il s'agit de nos libertés qui font l'objet d'attaques. Il faut dire, voilà, ceci est important. Il faut que nous soyons aux côtés de nos médias, de nos journalistes. Il faut penser à la qualité. Voilà, j'ai à chaque fois montrer ma feuille verte, mais à chaque fois que je l'ai fait, j'aurais aimé écrire qualité devant. Moi, je n'ai pas réussi dans le domaine de l'éducation. Cela m'a été offert, mais bon, ça ne m'allait pas. Alors, avoir une éducation de qualité, c'est bien. Il faut également des alternatives et ne pas tout mettre dans l'éducation en tant que produit de marketing. Thank you. Thank you. Merci. Y a-t-il une réunion après celle-ci? Bon. Bien, nous irons en réunion de commission plus tard. Merci à Silvio parce que je participe également aux travaux sur le budget en parallèle. Et ce matin, j'ai participé à une réunion sur le budget. J'ai eu l'impression de manger du sel, du sable. Je voulais boire. Très rapidement, en s'agissant de mes travaux en commission budget, je crois que ce débat surréaliste auquel nous assistons à quelques semaines, à quelques mois en Europe, et je suis d'accord avec M. Rampi, sur l'européisme, le pro-européisme, l'euroscepticisme, les différentes grandes tendances qui s'affrontent. Je crois qu'à cette question, il y a une réponse. Il ne faut pas afficher un européisme de façade face à l'euroscepticisme. Je crois qu'il faut faire de la politique, mettre en place de nouvelles politiques, que l'Europe revienne aux citoyens, reviennent à ses citoyens, et particulièrement des citoyens jeunes. Il faut investir pour les jeunes. Et il y a dans notre débat deux thématiques fondamentales. Nous avons d'abord l'emploi et les politiques sociales. Pourquoi l'emploi? Eh bien, une anecdote. Avec Paola Matossi et la responsable de la communication du musée Egizio de Turin. Donc, un entrepreneur lui a dit qu'il était très content d'avoir à disposition des jeunes et qu'il était prêt à engager tous les jeunes, même s'ils n'avaient pas de diplôme, pour leur donner une chance de travailler. Et Paola Matossi et moi, nous sommes opposés à ce type de pratique parce que c'est une bonne chose qu'il y ait de l'emploi pour tous, certes, mais l'idée est de transmettre, d'inculquer la culture, l'éducation
à ces jeunes. Donner un travail à des jeunes sans qualification, cela ne veut pas dire qu'il faille les priver de la culture. À cela s'ajoute l'idée de garantie jeune en Europe. C'est un projet de notre groupe. Nous voulons garantir aux jeunes, aux très jeunes, d'être sauvés de la pauvreté. Il ne s'agit pas uniquement de se chauffer, de manger, de s'habiller. Non, non, l'éducation, la culture en font également partie. Du reste, je suis convaincu qu'il ne faut pas lier la culture à l'économie. La culture, c'est un investissement qui n'implique pas de retour sur investissement. En revanche, cela a un sens sur le plan politique, parce que si nous voulons que l'Europe soit de nouveau capable d'investir pour l'éducation et la culture, alors il faut retourner aux racines de l'Europe, à l'Europe des valeurs. C'est le seul moyen pour faire contrepoids à l'action de ceux qui veulent détruire l'Europe. Merci. Je cède maintenant la parole à la Commission. Comme je l'ai dit précédemment, Barbara est parmi nous également, et Gabriel. Donc, de nombreuses questions ont été posées, donc je vous invite à être synthétique. Je sais que c'est assez difficile, mais c'est comme ça, la Commission. So, thank you very much. Merci beaucoup. Nous vous remercions de nous avoir invités dans un premier temps. Et je pense pouvoir dire que toutes ces interventions sont une source d'inspiration pour moi. Et également les interventions des députés. Ce n'est pas l'enceinte nous permettant de justifier ce que nous avons fait, mais au moins vous présenter le programme qui vous a été soumis au mois de mai et le nouvel agenda pour la culture. Et cela est conforme à ce que vous avez dit aujourd'hui. Je pense en effet que certaines de ces idées présentées pourraient être renforcées dans nos propositions. Et c'est la raison pour laquelle je me réjouis du fait que cette réunion d'aujourd'hui vient à point nommé. Pour ce qui est du renforcement du budget, nous nous réjouissons du fait que la Commission ait souhaité renforcer l'aspect budgétaire. Mais cela indique également que la culture ne joue pas seulement un rôle économique. En effet, c'est une valeur intrinsèque à la culture, mais la culture doit jouer également un rôle au niveau de la résilience des personnes. Nous devons renforcer la participation au monde de la culture. Et j'ai été vraiment impressionnée par le fait que vous ayez dit quelle est la participation qui change, connaît une mutation dans le cadre du numérique. Nous constatons en effet que ce n'est pas un nouveau rôle, mais un rôle qui a toujours existé, mais qui est repris de manière expresse également au plan européen. Il ne faut pas non plus négliger ce que vous avez dit, Madame D'Acosta, au début, à savoir qu'il ne faut pas non plus négliger l'aspect économique au niveau de l'emploi et de la croissance. Cela est prépondérant parce qu'au bout du compte, les artistes doivent vivre de leur art. Il faut financer les différentes ressources artistiques qui doivent survivre dans un monde globalisé. Nous avons le programme Creative Europe qui renforce cet aspect culturel, mais également la diversité culturelle, la diversité linguistique sont des caractéristiques de ce programme. Notre proposition est liée à ce que vous avez dit au début, à savoir le fonds de mobilité qui a été présenté. Nous souhaitons renforcer la coopération qui est au cœur de ce programme, mais nous souhaitons également
nous pencher vers d'autres voies qui permettraient de diffuser la culture, pas seulement les personnes, mais également les produits artistiques. Et comme vous l'avez indiqué dans vos propos liminaires, nous renforçons l'agenda culturel et Creative Europe, ce programme. En effet, cet agenda signifie que nous avons un programme politique qui est également assorti d'une ligne budgétaire, ce qui nous rend particulièrement fiers d'avoir pu atteindre ce niveau. Mais comme vous l'avez dit, Madame Da Costa, cela est également pris en considération dans le cadre des relations internationales, ceci nous permet d'être plus actifs. Et nous avons tous dit qu'il faut faire preuve de davantage d'ouverture vers d'autres programmes et qu'il faut insister sur cet élément culturel et créatif dans les autres programmes. Il ne s'agit pas seulement de synergie, mais ce qu'a pu faire ce programme, c'est de mettre sur pied des blocs où d'autres programmes peuvent intervenir au niveau du financement. Et c'est précisément ce que je pense être une ouverture du secteur, à savoir ce secteur peut ainsi jouir d'un meilleur financement en vue de se développer davantage. Bien, je serai bref parce que je souhaiterais que Gabriel intervienne également. D'ici la fin 2020, ce que nous souhaitons, c'est voir comment nous pouvons mettre en œuvre de manière plus efficace ce programme. Nous avons la base juridique, mais nous souhaitons de manière concomitante améliorer l'accessibilité à ce programme. Et nous avons entendu votre message. Nous consacrons à l'heure actuelle 40% du budget à des projets plus petits. Néanmoins, nous devons trouver un meilleur équilibre en ce qui concerne l'accessibilité pour les organisations de taille plus petite ou moyenne. Il y a des financements de cofinancement et vos interprètes vont devoir vous quitter malheureusement parce qu'ils sont affectés à d'autres réunions. Merci de votre écoute. What we heard about video games and also what we heard about artificial intelligence, for example, also to be used in museums, this kind of concrete aspects, how digitization also creates opportunities, not only for the creators, but also for young and older people. You know, it could be my target group, you know, women of around a certain age. We don't necessarily do this enough. There's business models also that can be developed. And we have, under the cross-sectoral strand of the new program, specifically opened what we call the innovation labs, where such projects should be promoted. And we're actively also always looking for good examples and good advice on how exactly such projects could look like. So the openness from our side is there, and we'll take a lot of inspiration from this debate, including also from the politicians. Thank you. Thank you so much. Just a moment, everyone, just to thank you, the interpreters, but now we continue in English because the hour is dead, but we have also at least 15 minutes. We can stay 15. 15 minutes more. We can stay okay. 15 minutes, please, yes. Please, to Gabriele. Thank you very much. Well, I can only echo what Barbara said, and I would just like to add a couple of points. The good thing is that Creative Europe is a silo-free program in the sense that Barbara and my department, so the audiovisual and media one, cooperate on a daily basis. I see Barbara more often than my family now, which is good because it means that Creative Europe is truly about all culture and creative sectors, including audiovisual, and it covers them in a holistic way indeed. I would like also to react to what Mrs. Ward and also Mrs. Becker said concerning media, media literacy and media freedom and pluralism. You will know that in the last years we have funded, as European Union, those actions in those fields through pilot projects and preparatory actions, thanks to the commitment of the Parliament. But these have proven to be a bit unstable in their financing because, of course, they get renewed every year. So we have decided to embed them into the cross-sectoral strand of the next Creative Europe program, which we believe is a
deep importance, because we give them more financial stability so they can run their actions in a better way. And also, we have added much more money in our proposal to what they usually got through the Parliament. So I hope that this helps. It doesn't cover everything, of course, because as we all know, the situation is not easy in Europe, but I think it could give an important helping hand. Also, for the budget, 30% plus 30% for the whole program, we count on Mr. Viotti to fight for it, and we take note of what Mr. Greco said about the importance of public resources for culture. I would just like to close on a note reacting to you, Mrs. Costa, what you said at the beginning about the importance of the ancillary but also intrinsic value of culture. And it came, the movie Pride came into my mind at the moment. It's a movie that we funded through Creative Euromedia a few years ago. And in that movie, Welsh workers were asking and singing for bread and roses. So they wanted bread, sustainability, of course, for their life, but they also wanted the roses, the culture, the freedom of expression, to have like to live life in at its fullest. And we believe that through Creative Europe, we do what we can to give people not just the bread but also the roses. Thank you. Thank you so much. We share this approach, bread and roses approach. I totally agree. And so we have just 1 minute because I imagine we have more time. But they say that it's not that there is also people waiting. And so if you, Georgios, want to add one word on European agenda, sorry, and the other question, we can go out and in direct way, in a friendly way, to answer, to also illustrate the experience that he have done with the migrants. Please. No, we don't have time for much. I only say that the new agenda for culture is very important because it tries to cover all aspects of civilization. And it was really very good that we had today this opening and these rapporteurs, because that encouraged our effort to do the best for Europe and for culture and for education. That's all. Thank you. Sorry, because the time is dead, but just to say one word, the final words, I am very aware that populism, nationalism, sovereignism are something very dangerous for the project, the Europe project, and the more important issue and help that we can have is on reconnecting, as also Daniele said before, with our values, roots, and showing that identity and cultural diversity is the richness, is not in conflict. And so to put at the center of the project, culture, education dimension. Second, FARO Convention, sorry, because I'm very, very fond of FARO, so I'm fighting for this. This is another very important thing that I hope that as a social democrat family, also at the national level, because I know that also in my country they is not anymore ratified, even if is signed. That's important because FARO is another perspective to this right to cultural heritage of any citizen, to create these heritage communities. That is another way to also consider museums, libraries, and others also as a social space and democratic space. Another thing that I want just to underline is that we put in a center, and we strengthen also, thanking to Barbara and to Giorgio for their commitment and also for their support as a rapporteur, but I will propose to put in a first objective, general objective in Creative Europe, the intrinsic value of culture and art, and also the role of artists and cultural operators and so on, because I imagine that we have to re-begin by this recognizable role. You know that also we are very committed to understand how we can strengthen this space, this area, this sector. It's not only sector, in this case I can
call it asexual, because audiovisual has already, we have already a literature and data and figures, because we're also the observatory, no, of audiovisual, but we have a lack of indicators of quality. Qualitative indicators, not only quantitative, and also more dedicated and more tailored on these matters. That's why we will insist to have a kind of observatory of creative and cultural in network with other excellence centers. Last words, resources. We are fighting for two important objectives. First is, as I said before, to cooperate with the parliament and accountants on the budget committee, because it's already done in our first resolution on the MMF programming, to not only to triple Erasmus, but also to double Creative Europe. That's the first thing. And the second is that we are also trying, as I tried with rapporteur, as rapporteur, in a dialogue with Commission, with the GEAC, because they want to don't lose what we achieve with the financial instrument, the new guarantee financial instrument, that is inside the 16 financial instruments dedicated to of loans, no, the guarantee for investment at the national level, inside within this spectrum of 16 different guarantee facilities, instruments, only in 2 years we have to recognize the guarantee for cultural creativity and so on, because we work a lot on this, to have a portfolio, dedicated portfolio, because a very sensitive sector, etc., is the second as results. Now these facilities will go inside the box of InvestEU. But we want to preserve the specificity of this financial instrument, because it's not only we want to not only grants, but also rising up, as someone asked, the co-financing, the range of co-financing, but also to put to have more opportunity to access to these guarantee facility, European guarantee facilities, by investment European Investment Bank, for national finance institutions that are in this moment for this sector already 11 institutions. Respond to this, and so we are working, like, just to share with you this commitment to lose this, because we are, for us, not only investment of resources, but also capability, you know, to understand the needs, the special needs that these institutions, NGOs, little SMEs, and so on, in the cultural and creative sector has. Sorry, just to inform you about this specific question. Thank you for your resistance, and also to our panelists, to our interlocutors. Thank you for to be with us in this fight, and thank you to Marco, because he's a very brilliant and patient moderator. Thank you. Just before we leave, just take your voting cards and leave it on the table so we can use another event. But before you leave, I want you to ask you the last question. I think nobody will die because of this. Just a moment. So let's go to our most famous thing today. The last question. So let's get the phone so we close with this one, yeah, with a nice collage. How did you like the conference? So you can write it. You don't vote publicly. You can say if you didn't like. You can also like, I didn't like it. And also thank you from my side. We apologize for not having so much time for discussion and for being late to the next group, to the next conference. You can write the name of your organization if you want to lobby, advocate, that's also fine. Too short, so the next time we should make like a whole day, not half day. Creative, interesting, stimulating, informative, supper, great. Erotic as well.
We got a new terminology in the policy dialogue. So thank you very much from my side. Have a nice afternoon. Yeah, there is some flexibility, let's say.